Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nuria TV, je suis Guillaume et je suis très très heureux de vous retrouver pour ce premier direct de l'année qui me donne l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2009. Je ne vais pas faire original, mais pour vous et vos proches, je vous souhaite avant tout la santé, un maximum de partage, des bons moments partagés tous ensemble. À l'échelle un peu plus générale, je souhaite un maximum de tolérance. Sur Nuria TV, pas besoin de le répéter 100 fois, je sais que nos échanges sont toujours tolérants, respectueux. C'est ça qu'on essaie d'encourager sur Nuria TV, et croyez bien que pour 2019, on va essayer d'approfondir encore un peu plus cet aspect-là de notre collaboration tous ensemble, les amis, sur ce média-là. Ce soir, je vous laisse vous installer tranquillement tout d'abord. Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre pour échanger avec les autres Nuréens sur le fil de discussion, éventuellement poser des questions à la fin de l'émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site www.nurea.tv. Pour l'instant, on utilise encore la fameuse application commentaire Facebook. Je vous parlais d'échanges privilégié sur Nuria TV, parce que bientôt la nouvelle version du site sera mise en ligne. Alors je dis bientôt, on n'a pas de jour précis, ça a traîné en longueur sur plusieurs mois cette affaire. On va bientôt arriver au bout et bientôt vous aurez un espace vraiment dédié aux Nuréens, à ceux qui feront la démarche de s'inscrire sur le site, avec tout un système de communication, de commentaires, de messagerie sur le site qui vous permettra d'échanger de la manière la plus simple possible, parce qu'encore une fois, ce qu'on privilégie sur ce média-là, qu'est Nuria, c'est l'échange, le partage, et encore une fois, toujours dans le respect, et on ne vous remerciera jamais assez, les Nuréens, de faire que ce beau rêve de partage soit une réalité aujourd'hui. Voilà, vous êtes déjà bientôt 57 000 à vous avoir rejoint sur YouTube, et vous êtes des centaines, voire des milliers, à vous rendre régulièrement sur le site, à commenter. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus, vous êtes ici, chez vous. Ce soir, les amis, pour ce premier direct de l'année, on voulait faire ça avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis le mois de septembre, donc ça commençait à faire long. C'est notre ami Lionel Camille qui nous rejoint sur Nuria TV pour nous présenter un nouveau cas de disparition mystérieuse. Salut Lionel, sois le bienvenu chez toi. Salut Guillaume, bonsoir aux spectateurs. Les spectateurs qui sont déjà nombreux à commenter sur ce fameux fil de discussion qui sera bientôt, qui ne sera plus le même, en tout cas, comme j'expliquais il y a 5 minutes, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont déjà nombreux. Je vois William qui nous dit bonsoir et bonne année. Bonne année à tous, bonne année à toi Lionel. Merci, de même Guillaume et Nora, et je souhaite souhaiter aussi une belle année à tous les spectateurs de Nuria, et aussi de YouTube, hein, faut pas les oublier. Tant que j'y suis, je vais faire le tour, hein, parce que voilà, j'ai eu la chance d'aller à Bruxelles en décembre. Donc je salue nos amis belges, les Suisses, les Québécois. Je n'oublie pas non plus les spectateurs d'outre-mer, tu sais, les Français du bout du monde, expatriés. Ouais. On a une spectatrice en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, 22 000 km. Je confirme. Donc c'est important de n'oublier personne, voilà. On ne va pas tous les citer, mais vous êtes de nombreux Nuréens, que ce soit au Québec, que ce soit en Belgique, en Suisse, vous êtes aussi nombreux au Maroc, en Algérie, en Tunisie à nous suivre, donc tout l'espace francophone mondial, tout l'espace ne nous suit pas, mais en tout cas vous venez des quatre coins du monde, vous connectez des quatre coins du monde pour suivre régulièrement les émissions sur Nuria. Donc un gros bisou à tous et encore une fois une merveilleuse année à vous et à vos proches. Il y a Hélène qui me dit « Salut Guillaume, trop cool, l'Europose tablette, merci le Papa Noël ». Et Marie qui lui dit « Non, je crois qu'il l'avait déjà ». Et ouais, ça c'est le Père Noël des années d'avant, il était cool des années d'avant le Père Noël, mais effectivement elle est bien pratique ma petite tablette. Et ce soir Lionel, on va aborder un cas de disparition mystérieuse. On a été pioché dans des cas qui sont sortis en livre en tout cas il y a déjà quelques temps, puisque c'est un cas Cullen Finnerty qui est extrait de ce premier ouvrage « Disparu dans la nature ». Qui est l'ouvrage qui m'a fait découvrir tes travaux et que je ne saurais que trop vous conseiller, ami Nuréen. Effectivement, c'est une affaire qui s'est passée aux États-Unis, totalement inconnue en France et très mystérieuse. Voilà. Et on va voir ce soir, moi, pour l'avoir travaillé un peu avec toi, c'est encore un dossier passionnant et encore une disparition bien énigmatique. Donc, je sais que vous êtes nombreux à attendre cette soirée disparition mystérieuse. Il y a Audrey qui nous dit « Bonjour Guillaume et Lionel, ainsi que les Nuréens et Nuréennes, un dossier de Lionel, de quoi bien commencer l'année. Bonne année tout le monde. » Bon ben voilà, je vais te laisser la main mon ami, de quoi bien commencer l'année, le cas Cullen Finnerty avec Lionel Camille. C'est à vous mon cher. Alors comme d'habitude, je vais d'abord présenter les faits et ensuite je vais tenter de décrypter l'affaire qui est aujourd'hui encore inexpliquée.
Avant de démarrer, je tiens à préciser qu'il y a des chats dans la pièce où je me trouve. Trois chats. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. On n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose parce qu'on est en direct, faut pas l'oublier. Donc voilà, on va essayer. Il se passera peut-être rien, mais si vous entendez des sons étranges, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. De Voilà. toute façon, sur Nuria TV, ce sont les chats qui font la loi. Donc, on sait ce que c'est de notre côté aussi. Donc, si un chat fait irruption et renverse le plateau, on rigolera un bon coup et ce sera déjà ça. Voilà. Donc on va partir dans l'affaire, si tu veux bien. On va partir Ben oui, je donc veux. en 2013, donc il y a 6 ans seulement, dans le Michigan, donc qui est un État au nord-est des États-Unis, vers la région des Grands Lacs, une fois de plus, où il se passe beaucoup de choses mystérieuses. On a déjà eu l'occasion de parler d'affaires qui se peut passer dans ce coin-là. Donc on va aller plus particulièrement dans la ville de Grand Rapids. C'est la deuxième ville de l'État. La capitale de l'État, c'est Détroit. Donc, Grand Rapids, c'est la deuxième ville de l'État qui fait un peu moins de 200 000 habitants. L'agglomération ne fait que 700 000 habitants, donc c'est une ville de taille moyenne. Et je vais vous présenter le personnage donc central de cette histoire, donc qui s'appelle Cullen Finnerty. C'est un Américain donc qui est d'origine irlandaise, comme son nom l'atteste, parce que Finnerty, c'est un nom irlandais. Et voilà, donc en 2013, donc Cullen, à l'époque, c'est un jeune homme de 30 ans. Il a 30 ans, mais il a déjà une vie bien remplie. Et pour bien comprendre son parcours, je vais remonter à son enfance. Donc Cullen, donc il est né en 1982. Et il a grandi à Brighton, c'est une petite ville du Michigan qui est dans la grande banlieue de Détroit. Donc Cullen, il a deux frères et sœurs. Bon, ce qui est important de dire tout de suite, c'est que chez les Finnerty, on est très sportif, très très sportif. Le grand-père, il a été boxeur. Le père, qui s'appelle Tim Senior, parce que le fils, il y a un des fils qui s'appelle Tim Junior. Donc le père, c'est Tim Senior. Il a été joueur de football américain dans le Colorado. Et dès son plus jeune âge, Cullen, en fait, il adore le sport. Il a pratiqué plein de sports, mais en particulier le football américain. Et vous allez voir des photos très anciennes. Au début, il a joué avec son grand frère, donc qui s'appelait donc Tim aussi, Tim Junior. Mais en fait, pour Cullen, le football américain, c'est bien plus qu'une passion. En fait, le football américain, ça va devenir sa raison de vivre. Et il va tout donner pour ce sport. Mais il faut reconnaître que Cullen, c'est un surdoué. C'est un surdoué. Au départ, il a joué dans sa ville natale, donc à Brighton. Et en 2002, à l'âge de 19 ans, Cullen, il va intégrer une équipe. C'est l'équipe de l'Université d'État de Grande Vallée, qui s'appelle les Lakers. L'équipe universitaire de la ville de Grand Rapids, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, on va pas trop parler de sport, mais je suis obligé d'en parler quand même, c'est que en fait, le championnat, c'est le championnat universitaire, c'est un peu la deuxième division aux États-Unis. C'est juste en dessous de la première division, donc qui s'appelle la NFL, la National Football League. Pour faire simple, en fait, c'est ça, c'est que les meilleurs joueurs universitaires passent professionnels et peuvent accéder à la NFL. Mais c'est vraiment un très haut niveau déjà, le championnat universitaire. Donc, Cullen, il intègre cette équipe des Lakers de Grande Vallée. Et ce qui est important de dire, c'est que il occupe un poste important. Il occupe le poste de quarterback. Alors, quarterback, je ne vais pas faire une émission sur football américain, mais il faut quand même apporter quelques précisions pour bien comprendre cette affaire. Bon, déjà, on va dire que la grande différence entre le rugby et le football américain, si je dis pas de bêtises, j'espère, c'est que au rugby, on a le droit de plaquer que le joueur qui porte le ballon. Au football américain, on peut plaquer qui on veut, en gros. C'est ça. C'est un peu plus violent. Et en fait, ils portent des protections. C'est pour ça que vous les voyez souvent avec le casque, avec les. Ils ont tout un équipement. Et le quarterback, dans une équipe de football américain, c'est un poste très important. C'est le meneur de jeu, en gros. Voilà. C'est un poste qui est placé derrière la ligne offensive et dirige l'attaque. En général, c'est pas le plus costaud. C'est un peu le stratège de l'équipe. Et souvent, c'est la star. Souvent, c'est la star de l'équipe.
Le quarterback le plus célèbre, sans doute, de l'histoire du football américain aux États-Unis, c'est probablement Joe Montana, qui était le quarterback de l'équipe de San Francisco, les 49ers, jusqu'au début des années 90. Et donc, Montana, il portait le numéro 16, comme Cullen. Je pense que le quarterback doit porter le numéro 16, voilà. Le quarterback, c'est un peu le genre de gars qui peut faire basculer un match à lui tout seul, tu sais. Et c'est exactement ce que fait Cullen. Donc, comme je disais, Cullen, c'est un surdoué en football américain. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait faire des passes, tu vois, 50-100 mètres. Il peut marquer, il peut faire ce qu'on appelle des touchdowns, marquer un essai. Il a un excellent pied gauche. Donc, on va voir que Cullen, il a plusieurs surnoms, mais on le surnomme souvent Superman, tout simplement parce que l'équipe gagne souvent grâce à lui. Grâce à lui, voilà, c'est lui qui fait la différence. Donc, et c'est pareil dans tous les sports. Hein. Il est vraiment doué en sport. Parce que la première fois qu'il a fait du BMX, du vélo tout terrain, enfin du BMX, il a fait un saut. La première fois qu'il a joué au golf, il a fait le plus gros score de la partie. Voilà. Donc il est excellent dans. C'est presque. Il est très bon dans son art. Il excelle dans son art presque. Hein. Mais c'est un quarterback atypique parce qu'en général le quarterback il est moins costaud que les autres. Il est plus fragile entre guillemets. Et comme il joue un rôle essentiel dans l'équipe, on essaie de le ménager souvent. Mais pas que Cullen. Pas que Cullen, parce que celui qui en parle le mieux, c'est son entraîneur, celui qui a été son entraîneur à Grande Vallée. C'est un homme qui s'appelle Chuck Martin, dont on va reparler plus tard dans l'émission. C'est un homme important, qui joue un rôle important dans la vie de Cullen. Et comme l'a déclaré Chuck Martin, tout le monde passe son temps à essayer de protéger son quarterback. Pas Finerty. Personne n'aime plus le contact physique que lui. Donc voilà, il adore le contact physique. Pour vous dire à quel point il adore ça, à l'entraînement, il disait à son entraîneur de laisser les autres lui rentrer dedans. Il est presque un côté masochiste, hein, tu vois. Il aimait ça, quoi. C'est assez rare pour les quarterbacks d'aimer ça. Ah ouais, c'est ça. Et il aimait aussi cartonner les autres aussi, je pense probablement. Quand on aimait donner et recevoir, tu vois. C'est donnant-donnant. Et donc, en fait, Cullen, il a un sacré physique hein, parce qu'il pèse 107 kilos et mesure 1m91. C'est vraiment un costaud, un colosse qui n'a peur de rien sur le terrain. Comme l'a dit encore son entraîneur, Finerty, c'est sans doute le seul quarterback de l'histoire du football américain à vouloir mettre KO un joueur adverse. Tu vois, c'est... Alors Chuck Martin et Chuck, son entraîneur, lui a donné un autre surnom. Crazy Horse. Cheval fou. Parce qu'il a un côté un peu fou, quoi. Il est sur un terrain, il est complètement électrique, quoi. Tu vois, il est vraiment indomptable. L'équipe gagne régulièrement grâce à lui. Hein. Et grâce à lui, l'équipe va remporter 50 victoires. 50 victoires. C'est pas rien. Donc, il faut dire aussi que pour Cullen, apparemment, la douleur n'est pas un problème. Voilà, comme je te disais, d'un côté un peu masochiste, hein, c'est-à-dire que je te racontais plusieurs anecdotes, un peu pour illustrer le gars. Quoi. Il a joué plusieurs matchs de championnat avec une clavicule cassée. C'était pas un douillet. Un jour, il y a un défenseur d'une équipe adverse qui lui a marché sur la tête. Et il paraît que Cullen, il avait les marques des crampons sur le crâne. Une autre fois aussi, il a passé tout un match à cracher du sang. Mais il n'a peur de rien, il paraît vraiment indestructible, invincible. Et même dans la vie privée, tu vois, un jour, il paraît qu'il était tombé d'une tyrolienne, tu sais, je ne sais pas s'il faisait de l'acrobranche ou quoi. Il a fait une chute d'environ 10 mètres. Tout le monde s'est affolé, tout le monde a commencé à appeler les secours, composer le 911. Cullen, lui, en fait, il s'est relevé tranquillement, tu vois, il n'avait pas une seule égratignure, quoi. Donc voilà, pour ces raisons, on l'appelle Superman. Donc il est fort, il est puissant, il réussit tout ce qu'il entreprend. Un jour, un joueur, pendant un match, il a essayé de l'arrêter. Tu vois, il a attrapé par le casque et il paraît que Cullen, il avait le casque un peu de travers. Il a continué à l'aveuglette. Il a continué. Il a réussi à faire un touchdown. Il a réussi à marquer un essai. En fait. Donc, c'est un gars incroyable, ultra populaire. Donc, grâce à lui, Cullen, il va faire gagner l'équipe de Grande Vallée. Ils vont remporter 50 victoires et l'équipe va gagner 3 fois le championnat universitaire. Grâce à lui, on peut le dire. Voilà, tout le monde est d'accord. Un joueur hors norme. Ah ouais. Il y a un site internet sportif qui l'a même élu joueur de deuxième division de la décennie.
Donc, Cullen, c'est sans doute le quarterback ayant eu le plus de succès dans l'histoire du football américain universitaire. Donc, c'est un meneur d'hommes, on peut le dire, hein, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Tu vois, dans la vie, même en dehors, il paraît, tu vois, pendant les trajets en bus, par exemple, c'est lui, en fait, qui mettait l'ambiance. Et pour mettre les joueurs dans l'ambiance, il diffusait souvent à bord les films de Rambo, parce qu'il était fan de ces films. Soit dit en passant, le premier Rambo, c'est un excellent film, je trouve. C'est un très bon survival, doublé d'une critique sociale sur le sort des vétérans de la guerre du Vietnam. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter ce film. Tu vois, j'en profite pour rendre hommage aussi à Stallone, parce que c'était quelqu'un de... Réhabilitons Rambo, hein, oui. Ouais, Stallone aussi, on s'est beaucoup moqué de lui, mais c'est un gars. En fait, c'est un. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que les gars qui partent de rien puis qui réussissent à devenir des stars comme ça à Hollywood, je veux dire. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. C'est pareil, même chose pour Van Damme en Belgique. Hein. J'allais te le dire. Ah Réhabilitons également Jean-Claude Van Damme. Exactement. Voilà, c'est dit. Et j'appuie. Donc, je referme la page cinéma. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, un des autres surnoms de Cullen, logiquement, c'est Rambo. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure de Joe Montana. Et de Joe Montana, il était devenu une légende à San Francisco. Chez les 49ers. Eh bien, Cullen Flaherty, il est devenu une légende à Grand Rapids, on peut le dire. Tu vois, les gamins étaient fans de lui, l'admiraient. C'était vraiment la star, quoi. L'idole, tout le monde l'admirait. Donc, par la suite, Cullen, il va réussir à intégrer la National Football League. Il va monter, tu vois, en première division, en gros. Il va jouer un temps chez les Broncos de Denver, les mythiques Broncos de Denver, dont d'ailleurs l'emblème, ce sont des chevaux, tu vois. Ça me fait penser à Crazy Horse, tu vois. Le fameux cheval fou. Voilà. Après, il va jouer. Alors, il ne va pas jouer beaucoup, malheureusement. Il va aussi jouer après chez les Ravens de Baltimore. Bon, il faut être honnête, Cullen, il ne va pas autant briller au niveau national qu'il aurait dû briller, probablement. Il va faire une belle carrière, mais bon, je pense qu'il a été rattrapé par des problèmes de santé, probablement, notamment des douleurs au dos. On va en parler plus tard. Il avait deux hernies discales. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va rester très très populaire dans le Michigan. Et Cullen, c'est un peu le pote que tout le monde aimerait avoir. C'est un gars qui est vraiment, c'est un gars exceptionnel. C'est un gars qui est très simple, très 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 humble, comme l'a dit, comme tous ses proches le disent en fait. Hein. Donc la fin de carrière sera un peu moins glorieuse. On sait que chez les sportifs de haut niveau, voilà, tout le monde ne réussit pas à se reconvertir forcément. C'est un peu difficile pour certains. Et donc, Cullen, lui, il va se reconvertir dans la vente d'équipements médicaux. Tu vois, il ne va pas devenir VRP, mais bon. Et il va mener une vie assez rangée par la suite. Pour ce qui est important de dire, c'est très important. Il est très attaché à sa famille. Donc, on va voir une photo avec ses. Il est très attaché à sa mère, à son père, à. Il a ses frères, donc on va voir sur une photo, il a un autre frère qui s'appelle Brandon et qui est sportif lui aussi. Comme je vous dis, le sport dans cette famille, c'est ce qui relie toute la famille, c'est ce qui lie la famille. Et Brandon, il va lui aussi aller à Grande Vallée, il va jouer comme défenseur à Grande Vallée, tu vois. Il va intégrer l'équipe de football américain. Et on voit aussi sa sœur Courtney, qui est aussi allée à Grande Vallée. Donc c'est le sport qui soude toute la famille hein, chez les Finnerty. Et je vais maintenant parler de la vie privée de Cullen. Il a rencontré très jeune une jeune femme qui s'appelle Jennifer, qui était une sportive aussi, qui est une sportive, qui était une joueuse de volleyball, tu vois, encore. Et ils vont se marier, ils se sont mariés et ils ont eu deux enfants. Donc d'abord, ils vont avoir un premier enfant, un petit garçon qui s'appelle Caden. Donc en 2013, Caden, il a 2 ans. Et en 2013 aussi, ils ont eu en début d'année une petite fille qui s'appelle McKinley. Très joli prénom d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc, elle a 3 mois. En mai 2013, elle a 3 mois. Et Cullen la surnomme Petite Princesse. Donc c'est vrai qu'aux yeux de beaucoup, bah, Cullen Flaherty, ça, il illustre un peu, si tu veux, le parfait exemple de l'American Dream, un peu. Tu vois, c'est un peu la famille parfaite. Et voilà, on en est en 2013. Et là, Cullen, il vit plutôt une vie plutôt tranquille, tu vois. Il s'est rangé.
Il paraît heureux. Mais bon, il a des hauts et des bas, comme tout le monde, hein. C'est vrai qu'il est quand même assez stressé dans son travail, comme pas mal de gens, malheureusement. Depuis plusieurs mois, il avait eu de nouvelles responsabilités dans son travail, mais il avait aussi récemment une promotion. Mais le plus gros problème de Cullen, en début 2013, c'est quand même les soucis de santé. Parce que, voilà, il n'avait pas ménagé son corps durant toute sa carrière. Et là, il paye un peu l'addition. Il a des gros problèmes de dos. Il a notamment deux hernies discales, comme je t'expliquais. C'est un peu le problème des sportifs de haut niveau, hein, comme même les danseurs, tu vois. Après, souvent, ils ont des problèmes. Donc, à la fin, Cullen, il est obligé de prendre des médicaments antidouleurs régulièrement. On en reparlera plus tard. Donc maintenant, on avance. On est mi-mai 2013. Donc ça va être en fait, c'est le baptême de McKinley, le dimanche 12 mai 2013. Toute la famille se réunit à cette occasion. Donc on va voir une photo où toute la famille se réunit pour ce baptême. C'est vraiment une réunion de famille. C'est une famille très soudée. Hein. C'est une famille d'origine irlandaise. Et 15 jours plus tard, on va donc être maintenant le dimanche 26 mai 2013. Dis donc le dimanche 26 mai 2013. Donc on est fin mai 2013 et en fait c'est le week-end du Memorial Day. Memorial Day, c'est une fête américaine qui est en l'honneur des soldats américains morts au combat. C'est un peu une fête nationale, quoi. Et donc, à cette occasion, Cullen et sa belle famille, ils ont décidé de quitter Grand Rapids, partir un peu au vert quelques jours, hein, en week-end. Ils partent dans une petite bourgade qui s'appelle Weber Township, qui est située dans la forêt d'État de Bray Creek. La forêt d'État de Bray Creek, elle se situe à la limite d'une autre forêt, une énorme forêt, la forêt nationale de Huron-Manistee. Donc, on va l'appeler plutôt forêt nationale de Manistee, ça sera plus simple. Donc l'endroit où va Cullen et sa belle-famille, c'est ça touche cette forêt. Donc pour l'occasion, Cullen et sa belle-famille, ils ont loué une cabane dans cet endroit. Donc il y a Cullen, il y a sa femme Jennifer, il y a leurs deux enfants et il y a la belle-famille. Donc la belle-mère, le beau-père et le beau-frère, c'est-à-dire le frère de Jennifer. Donc tout le monde passe un bon moment, voilà. C'est une fête nationale, réunion de famille, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais bon, Cullen, voilà, comme je t'ai expliqué, là, des problèmes de santé. Et ce week-end-là, il n'est pas en forme, il a un peu des migraines, il dort pas très bien, il a des douleurs, donc il n'est pas en super forme. Mais bon, ça l'empêche pas de profiter quand même, on va voir. Hein. Donc la zone où ils ont loué leur cabane, c'est une zone c'est très rural, quoi. Énormément de forêts autour. Et ce dimanche 26 mai, Cullen, son beau-frère et son beau-père, ils veulent aller pêcher. Voilà, tout ce qui est plus banal. Donc, pour aller pêcher, en fait, ils vont dans le camping de la forêt d'État de Bray Creek. En fait, ils passent dans ce camping pour accéder à une rivière. Donc, on va voir où ça se situe. Ils veulent accéder à une rivière qui s'appelle la Baldwin River. Petite rivière qui serpente un peu. Dans cette zone extrêmement sauvage. Hein. Et voilà, bah, toute la journée, toute l'après-midi, Cullen et puis le beau-père et le beau-frère, bah, ils pêchent la truite. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Vous allez voir une photo du beau-père. En fait, Cullen, il s'était découvert une passion pour la pêche. Apparemment, il adorait ça. Alors, je sais pas ce que ça le détendait, je sais pas. Il adorait ça. Donc là, toute l'après-midi se passe très très bien. Et donc en fin d'après-midi, bah les trois hommes, ils rentrent dans la cabane qu'ils ont louée, qui n'est pas située très loin du camping en fait. Ils vont retrouver voilà, leur femme, les enfants. Ils dînent assez tôt ce soir-là. Bon, aux États-Unis, c'est vrai qu'en général, on dîne assez tôt, plutôt qu'en France, on va dire, encore plutôt qu'en Espagne. Et donc, après le repas, Cullen, il a envie de retourner pêcher. Voilà. Parce qu'en fait, il adore la pêche et il veut retourner encore un peu sur la Baldwin River. La nuit n'est pas encore tombée, donc bon, le soleil commence à se coucher un peu, mais bon. Donc, il demande à sa famille de l'amener. Et ils acceptent. Donc, il ramène donc Cullen, il redépose
à la Baldwin River. Donc, il passe à nouveau sur le terrain de camping. Donc, on va détailler la tenue de vestimentaire de Cullen, c'est important. Donc, il porte une salopette imperméable de marin et par-dessus une veste camouflage, un peu comme portent les chasseurs, tu vois. Et là, on va avoir une photo très, très précise. C'est la photo précise où la belle famille va déposer Cullen. On voit, ça fait comme une espèce d'embarcadère, des marches qui descendent vers l'eau. Et ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, bah, Cullen, là, il va pêcher à bord. Il reste pas sur la berge. Il monte à bord d'un petit bateau. C'est un petit bateau monoplace, tu vois, un peu gonflable comme ça, avec des rames. Et donc, Cullen monte à bord de ce bateau et il dit à ses proches de revenir dans 45 minutes. Tu vois, il compte pas s'absenter très longtemps parce qu'il voit que la nuit va tomber. Il veut juste en profiter un peu parce qu'il avait tellement pris plaisir à ça l'après-midi qu'il veut juste y retourner. Trois quarts d'heure, quoi. Donc là, il largue les amarres et il part sur la rivière. Donc là, sa belle famille le voit s'éloigner. Un peu dans l'obscurité, tu vois. Il part. Non. Et là, la belle famille, il rentre chez eux, il rentre dans la cabane. Pas très trop loin du camping. La soirée reprend son cours normal. Mais à 21h27, Jennifer, donc la femme de Cullen, elle reçoit un appel sur son téléphone portable. Donc elle regarde, elle voit que c'est son mari. Elle voit que c'est son mari. Donc elle décroche, elle prend l'appel. Et là, en fait, c'est un appel assez étrange. Parce que Cullen, en fait, il paraît très nerveux. On ne sait pas pourquoi. Il est nerveux et il lui explique qu'il est sur le bateau et qu'il y a deux hommes qui sont en train de le suivre. C'est ce qu'il explique. Il explique que ces hommes sont en train de marcher sur la berge à environ 7 mètres de lui, derrière lui. Et donc, Jennifer entend ça, mais elle est un peu interloquée, quoi. C'est pas trop quoi penser, quoi. Et elle n'a pas trop lui demandé de précision parce qu'en fait, elle entend Cullen qui parle aux inconnus. Elle l'entend lui parler. Elle l'entend lui demander ce qu'ils veulent. Mais apparemment, Cullen n'obtient pas de réponse. Il n'obtient pas de réponse. Donc là, en fait, là, à ce moment-là, tout se passe très vite. En fait, Cullen, il dit à sa femme qu'il va se passer quelque chose. Et là, la communication coupe subitement. Pas dans la cabane, je ne raconte pas. Les membres de la famille disent, ils se demandent ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive Donc, quelques minutes plus tard, nouvel appel. Donc, c'est encore Cullen. Cullen rappelle. Et là, d'après Cullen, il a l'air encore plus... Là, il a l'air vraiment, vraiment effrayé. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, quoi. Et il dit à son épouse qu'il sort de la rivière. Et tout d'un coup, boum, l'appel qui coupe. L'appel coupe, une fois de plus. Donc, il y a un problème en plus, tu vois, c'est les communications sont hachées. Donc là, dans la cabane, vraiment, tout le monde commence vraiment à paniquer, se poser des questions, quoi. Donc... Jennifer tente de rappeler son mari, mais ça ne fonctionne pas. Elle n'arrive pas à la voir. Son frère va essayer, donc le beau-frère de Cullen, appelle. Et à 21h36, le beau-frère de Cullen va réussir à la voir. Et selon la police, l'appel va durer 20 secondes. Parce que c'est vrai que maintenant, vous savez bien, avec les téléphones mobiles, on est au courant de tout. 20 secondes. Et là, apparemment, Cullen dit à son beau-frère, « Je ne sais pas où je suis. » Les types sont toujours en train de me suivre. Et Cullen, il a vraiment l'air effrayé, là, terrifié même. Et boum, encore une fois, l'appel coupe brutalement. Et c'est la dernière fois qu'on entendra la voix de Cullen. Donc là, je ne vous raconte pas dans quel état de panique sont Jennifer et sa famille. Là, tout de suite, ils quittent la cabane, ils foncent au camping. Ils montent à bord de la voiture, ils foncent au camping. Ils sont tout prêts, hein, ils ne sont pas loin. Ils vont à l'endroit exact où ils avaient déposé Cullen. Donc près de la Baldwin River, il fait nuit, tu vois, c'est... je ne raconte pas l'ambiance, quoi. C'est un peu chaotique, quoi. Il cherche Cullen au bord de la rivière, il appelle sur son téléphone portable, personne ne répond bien entendu, il crie son nom, personne ne répond, il scrute aux alentours, mais il ne voit pas grand-chose, hein. On est dans l'obscurité, c'est pas évident. Au bout d'un moment, ils vont faire une découverte importante, ils vont trouver le bateau de Cullen, et le bateau est vide. Il est échoué
sur le bord du rivage, enfin, sur le bord, sur la berge. Et on a une photo exacte de ce bateau. Hein. C'est une photo exacte. La façon dont on a retrouvé ce bateau. Cullen n'est plus à bord de ce bateau. Cullen n'est nulle part aux alentours. Il a mystérieusement disparu. Donc là, Jennifer, la belle famille vont chercher un bon moment Cullen. Et à 22h, ben, comme ils ne savent pas où se trouve leur Cullen, ils vont appeler la police, ils vont appeler le shérif. C'est le shérif du comté de Lake County. Et là, ils vont lui expliquer la situation, quoi, que Cullen a disparu dans les bois, sur la rivière, on ne sait pas. Et là, le shérif de Lake County va faire une chose assez intelligente pour retrouver Cullen. Il a le bon réflexe. Tu vois, même en milieu rural, tu vois, les mecs, ils ont beau les réflexes. Parce que tu fais les petites forces de police, des fois, il y a eu des affaires comme ça où ils ne prenaient pas forcément les bonnes décisions. Mais là, ils prennent les bonnes décisions. On a pu comme le voir sur certains dossiers. Ouais. Comme il sait que Cullen possède un iPhone, le shérif, il contacte l'opérateur de téléphone mobile dans le but de géolocaliser son appareil. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Donc là, en fait, d'un point de vue technique, on appelle ça aussi un test de ping. L'opérateur va faire un test de ping. En fait, c'est qu'on envoie un signal vers l'iPhone pour voir ce que ça donne. Seulement, dans le cas de Cullen, là, ça ne permettra pas de déterminer l'endroit exact où se trouve Cullen. On en reparlera plus tard. Ils ne savent pas où est Cullen à ce stade-là. Donc là, je vais vous raconter, j'en profite pour vous raconter une anecdote assez amusante. Je cherchais l'image que vous voyez de test de ping, là. C'est une image d'illustration. Ça n'est pas tiré de l'affaire de Cullen Finnerty. J'ai cherché une image d'illustration pour illustrer cette affaire. Et il se trouve que quand j'ai regardé la date qui est indiquée sur cette image, je me suis 05-27. Je me suis rendu compte que ça correspond au 27 mai. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on met le mois avant. Et en fait, le 27 mai, c'est la date de la disparition de Cullen. Parce qu'il a disparu vers une coïncidence. Synchronicité, j'en sais rien. Je jure que c'est vrai que ce n'est pas un montage. Très bizarre. Bref, je retourne au récit. Donc là, on est dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27. Mais bon, on est plutôt vers minuit, quoi. Donc techniquement, on était au début du 27 mai, quoi. Là, il fait nuit noire, donc les autorités, ben, ils sont obligés d'attendre le lever du jour pour chercher Cullen. Tu vois, ils prennent une sage décision, parce qu'ils sont quand même allés voir, mais bon, ils se sont dit, on va attendre le lendemain, que le jour revienne, et c'est ce qu'ils font, en fait. Le lundi 27 mai 2013, donc là, le shérif, il va sur le terrain à la première heure, avec des collègues. Il va demander l'aide de la police d'État du Michigan. Les policiers, ils vont fouiller les abords de la rivière, donc la Palgrin River, à la recherche de Cullen. Ils vont vérifier les berges, ils vont sonder dans les trous. Voilà. Parce qu'en fait, bah, Cullen, il a disparu sur un bateau. Donc, et vu qu'on a retrouvé le bateau vide, bah, ils essaient de raisonner logiquement. Ils se disent que peut-être que Cullen est tombé à l'eau, tout simplement. Seulement, bah, ils ne vont rien trouver dans la rivière. Donc, le shérif, il va faire venir des chiens renifleurs de la police d'État du Michigan. Ça ne donnera rien. Ils vont pas trouver la piste olfactive de Cullen. On va faire venir des hélicoptères, et des hélicoptères de la police d'État, encore une fois. C'est les State Troopers, en fait, les policiers d'État aux États-Unis. Ils vont survoler la zone à de multiples reprises avec des caméras thermiques pour tenter de repérer Cullen au sol, mais ils ne vont rien trouver, une fois de plus. Là, au fur et à mesure que les heures passent, on commence à chercher aussi Cullen officiellement. Donc, on va imprimer des affichettes. On commence à imprimer des affichettes, les diffuser dans les lieux environnants, voilà, pour des personnes qui auraient pu tomber éventuellement sur Cullen. Au bout d'un moment, comme on ne trouve pas Cullen dans la rivière, ben, la police se dit que la police a la certitude qu'il est parti dans la forêt, vers le nord, parce qu'on va trouver des empreintes qui auraient pu être potentiellement laissées par Cullen. Bon, en fait, bah, les gens ils sont assez optimistes, hein, parce qu'ils craignaient que Cullen se soit noyé. Parce que c'est vrai, souvent, quand il y a des noyades, voilà, là, c'est assez radical, mais bon,
Là, à partir du moment qu'ils savent, ils savent qu'il n'est pas dans la rivière, donc ils se disent, ben, ils se disent, tout le monde pense qu'il est en train de... Il se cache dans les bois, parce que, en fait, la belle famille a expliqué qu'il paraissait terrifié au moment de sa disparition, lors de son dernier appel téléphonique. Donc voilà, tout le monde pense qu'il a été effrayé par quelque chose, il a eu peur, et il est allé se réfugier dans les bois. Et donc il est dans les bois quelque part, en train d'attendre, en train de se cacher. Un peu comme Rambo finalement. Un peu, oui. Le premier. Et donc là, les équipes de secours, ils vont ratisser les bois au nord de la Baldwin River. Ils sont fatigués parce que c'est une zone forestière assez sauvage quand même. Là, la végétation est très dense. Il y a des marécages. Et par endroits, apparemment, ils ont de l'eau jusqu'à la taille. Il y a des insectes. Il y a des bestioles, il y a des tiques, pas mal d'ailleurs. Voilà, tu vois, c'est... Donc c'est pas une partie de plaisir, hein, autant le dire tout de suite. Là, le lundi soir, la nuit tombe et les autorités, bah, ils continuent de chercher encore, mais tu vois, ils vont faire venir toujours les hélicoptères qui tournent. Mais bon, au bout d'un moment, ils vont finir par suspendre les recherches jusqu'au lendemain, si possible, pour que. Faut bien rappeler aussi que les membres des équipes de recherche et de sauvetage, Search and Rescue, SAR en américain, ce sont des bénévoles, hein, 99%. Et le soir, bah voilà, ils ont une vie à côté. Il faut aussi qu'ils se reposent, hein, parce que c'est épuisant quand même, hein, quand on cherche quelqu'un comme ça, hein, vu le terrain. Donc maintenant, on est le mardi 28 mai. 28 mai 2013. Donc l'opération de Search and Rescue va reprendre au petit matin dans la forêt. Et donc, comme je te disais, c'est que... La seule chose dont on soit sûr, c'est que, et que tout le monde s'accorde à dire, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, c'est que lors de son dernier appel, Cullen était très nerveux. Quelque chose l'a rendu très nerveux. On ne sait pas quoi exactement. Quelque chose qui l'a effrayé et qui l'a poussé à aller se réfugier dans les bois. Mais il y a aussi des rumeurs qui circulent. Tu vois, certains parlent d'un enlèvement, par exemple. Possible. On en reparlera plus tard. Alors ce jour-là, ce mardi matin, Chuck Martin, l'ancien coach de Colin Finnerty, qu'il connaît très bien, dont on a parlé déjà. Il amène son fils à l'école et ensuite, ben, il raconte il prend ses chaussures de randonnée et dit à sa femme qu'il va aller aider à trouver Colin. Il va participer aux recherches parce que c'est ça, les gens sont solidaires en zone rurale. Et puis lui, c'était quelqu'un qui connaissait très bien. Et c'était presque son mentor, en fait, Chuck Martin, parce qu'il a beaucoup aidé dans sa carrière à devenir aussi l'homme qu'il était. Et c'est étrange parce que ce jour-là, en fait, bah, Chuck, il part, il est assez confiant. Bah, il se dit qu'effectivement, Cullen, il est probablement en train de se cacher quelque part dans les bois. Et Chuck, il a l'intuition qu'il va trouver Cullen. Il ne sait pas pourquoi, mais tu vois, il a vraiment cette impression mentale. Donc ce mardi-là, c'est la grosse, grosse opération de Search and Rescue. Il y a beaucoup de monde sur le terrain. Il y a les hommes du shérif, il y a 20 policiers d'État, il y a une centaine de bénévoles de Search and Rescue. Il y a aussi une centaine d'amis et de sportifs de Grande Vallée qui arrivent en car. Tu vois, l'université a affrété des cars pour amener des gens. Parce que c'est la disparition de l'ancien prodige du football, hein, et local, et ça émeut beaucoup de monde dans la région. Le fait divers, il commence à être relaté dans de nombreux journaux télévisés. Donc là, il y a 300 personnes qui arpentent les bois, mais pas n'importe comment, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, mais tu sais, les opérations de Search and Rescue, c'est très technique, hein, ils font pas n'importe quoi en général, hein. On utilise une grille de recherche, c'est-à-dire qu'on divise une zone en secteurs et on les fouille un par un, tout simplement. Et par moment, les chercheurs, tu sais, ils avancent, ils sont épaule contre épaule, hein. Et la technique, c'est ça, c'est qu'en général, ils font quelques pas. Ils s'arrêtent, alors ils regardent par terre, en haut, et ils repartent. Ils crient aussi le nom des disparus aussi. Il y a aussi des fois aussi, ils peuvent utiliser des sifflets aussi. Là, ça n'a pas été le cas apparemment. Mais en fait, donc ce jour-là, donc Chuck Martin, il fait équipe avec, c'est un peu l'ironie du sort, il fait équipe avec un homme qui s'appelle Kurt Ernst, qui en fait c'est le nouveau quarterback de l'équipe de Grande Vallée. Lakers, le remplaçant de Cullen. Donc toute la journée du mardi, on cherche encore Cullen dans les bois, mais malheureusement, il est introuvable.
Introuvable. Donc là, la journée passe. On arrive en fin d'après-midi. Il n'y a plus qu'un seul périmètre à fouiller. On est encore dans la forêt, mais on n'est pas au fin fond des bois, quoi. On commence à s'approcher de. Il y a des cabanes, tu vois. Il y a la civilisation qui est toute proche. Il paraît qu'il y a une route. On entend même les bruits des voitures qui passent pas loin. Et là, bah voilà, il reste pratiquement plus. Le secteur a pratiquement été ratissé de fond en comble, tu vois, mais il reste pratiquement plus. Juste une petite clairière. Donc, il est 19h40, en fait. Et là, Chuck Martin et Kurt Hens, ils arrivent dans une petite clairière. Et là, un peu plus loin, Chuck Martin, donc l'ex-entraîneur de Cullen, il n'en croit pas ses yeux parce que il y a un corps allongé sur le sol. Et ce corps, c'est celui de Cullen. Je ne raconte pas le choc, quel état il est, quoi. Il voit ça. Surtout que ce qui est très frappant, c'est l'état du corps. Parce qu'en fait, Cullen, il est face contre terre, avec les bras le long du corps. Et il ne présente pas de blessure apparente. Il porte les mêmes vêtements qu'il avait lors de sa disparition. Il a toujours la salopette imperméable de marin. Et une veste de camouflage. Et là, maintenant, c'est un détail important, c'est qu'on va trouver, rangé dans sa poche, dans la poche de Cullen, on va retrouver son iPhone. Le plus terrible et étrange, c'est qu'on a retrouvé le corps de Cullen à moins de 100 mètres de la route. Tout près de la route. Donc c'est quand même très surprenant. Alors en fait, bah, tout le monde est sous choc, en fait. C'est ça. On va même voir une image, tu vois. On va voir un gars en fait qui participait, un bénévole qui participe aux recherches, et puis lui, il s'assoit par terre et puis il est hagard, quoi. On va voir une photo de cet homme. Il n'y croit pas. Personne n'y croit. Personne ne pensait qu'on trouverait Cullen mort. Donc là, bah, la nouvelle va se diffuser dans les médias. On va voir notamment le shérif, donc cet homme qui a une veste jaune, hein. Et donc lui, il va expliquer dans les médias que bah, il n'explique pas grand-chose. Hein, donc il dit, on a trouvé Cullen mort et que apparemment on n'aurait pas trouvé son corps parce que l'hélicoptère n'aurait pas vu le corps parce que à cause de la végétation et aussi parce que Cullen portait une veste camouflage. Ça expliquerait pourquoi on n'a pas vu son corps. Donc là, la police bah, fait son enquête, évidemment. Donc elle va procéder à des constatations, quoi. Elle fait des constatations sur place. Tu vois, on met un ruban, tu sais, scène de crime. Mais très très vite, en fait, la police, elle va écarter la piste criminelle. Pour une raison qui est assez simple, c'est que le corps ne présente pas la moindre blessure. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas d'entaille, il n'y a pas d'impact de balle, il n'y a rien. En fait, c'est comme si Cullen s'était allongé par terre et était mort sur place. Autre détail bizarre, le corps n'est qu'à 800 mètres de l'endroit où il a laissé son bateau. Donc c'est tout près, hein. Donc après, bah, par la suite, les informations vont sortir dans la presse nationale. Là, on va commencer à en parler dans la presse nationale. Ça va faire les gros titres, notamment. C'est une surprise pour tout le monde dans la région, mais ça interpelle aussi les journalistes des gros journaux, hein, notamment le Washington Times. Hein. Et donc, bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, le cadavre de Cullen va être envoyé pour autopsie à un médecin légiste. Qui va être envoyé au médecin légiste de Kent County, un comté voisin. On essaie de voir de quoi déterminer la cause de la mort. Et lorsque le rapport d'autopsie concernant Cullen va être rendu public, il va faire l'effet d'une bombe parce que la cause de la mort de Cullen est inconnue. C'est, je trouve, assez incroyable qu'on ne soit pas capable au XXIe siècle de dire de quoi quelqu'un est mort. C'est quand même, surtout aux États-Unis, c'est quand même le pays le plus riche au monde. Donc,
Après autopsie, c'est surprenant de ne pas détecter la cause de la mort. Ouais. Bon, en tout cas, il n'est pas décédé de mort violente, ça, on en est sûr. Alors, les analyses toxicologiques n'ont rien trouvé. Pas de drogue, de substance dans son organisme. Il n'a pas eu de crise cardiaque. Ça a été écrit noir sur blanc. Bon, ben, en général, quand vous mourrez, le cœur finit toujours par s'arrêter à un moment ou à un autre. Hein. Mais là, il n'a pas lâché brutalement, tu vois. Donc, l'autopsie est inconcluante. Alors, le légiste, il exclut la thèse criminelle, il est incapable de dire de quoi que l'homme est mort. Mais il va quand même avancer une hypothèse. C'est une hypothèse, attention, ça n'est qu'une hypothèse. Selon lui, Cullen aurait pu mourir à cause d'une pneumonie causée par une inhalation de vomi après avoir été désorienté. Excusez-moi du détail, mais bon, c'est ce qui est écrit hein, dans le rapport. Donc la pneumonie, c'est une affection des poumons, le plus souvent causée par un virus ou une bactérie. Streptocoque, pneumocoque, légionelle, staphylocoque, etc. Et voilà. Mais attention, ça n'est qu'une hypothèse, hein, encore une fois, hein. Vu que le résultat de la première autopsie n'est pas satisfaisant, on va faire une deuxième autopsie. Tu vois, ils sont quand même. Bon, là, ils font leur boulot, tu vois, ils cherchent, ils creusent un peu quand même. Donc, on va transférer le corps de Cullen à l'école de médecine de l'université de Boston. Tu vois, c'est pas n'importe quelle structure quand même, hein. Donc là, bah, l'équipe médicale va procéder à l'autopsie et une fois encore, ils ne vont pas être capables de déterminer la cause de la mort. Donc encore une fois, c'est assez hallucinant. C'est bizarre. Pour moi, c'est très bizarre quand même, parce que qu'on ne soit pas capable, c'est quand même inquiétant. Hein. Ils vont quand même trouver un autre élément. Ils vont étudier le cerveau de Cullen et ils vont découvrir quelque chose quand même. Tu vois, l'autopsie n'aura pas servi à rien. L'examen du cerveau de Cullen révèle qu'il présente des signes précurseurs donc d'une maladie dégénérative du cerveau qui s'appelle l'encéphalopathie traumatique chronique, ETC. Je vais essayer de pas trop le prononcer parce que c'est un peu dur à prononcer. On dira ETC. C'est ça. Bon, ça n'a rien de surprenant vu le passé sportif de Cullen. Il avait reçu de nombreux chocs à la tête. En clair, il avait pris cher. Et voilà, c'est ça, vous voyez ça aussi au foot, hein. Quand un attaquant est bon, bah, en général, les défenseurs s'acharnent sur lui, voilà, donc ils sont souvent blessés. J'ai mis une photo assez parlante, je trouve, où l'on voit Cullen qui est pris un peu en sandwich entre deux joueurs adverses. Bon, il aimait le contact physique, mais bon, il a quand même pas mal morflé, hein, faut dire les choses. Hein. Cullen, il avait eu pas mal de commotions cérébrales au cours de sa carrière. Une commotion cérébrale, c'est un ébranlement du cerveau, consécutif à un choc. Et qui perturbe son fonctionnement. Il peut y avoir un vertige ou une perte de connaissance. Bah, quand tu es mis KO, par exemple. Tu vois, en fait, le cerveau bouge dans la boîte crânienne. Tu vois, Et on va avoir une photo qui est assez dure, je trouve. On voit justement, on voit Cullen qui est à terre pendant un match. Là, c'est lui qui est par terre. Et un jour, on raconte lors d'un match, sa tête avait violemment frappé contre le sol. Et il paraît qu'il est resté un moment complètement hagard comme ça. Tu vois, il a réussi à se relever, mais il avait les yeux dans le vide comme ça. Et voilà, au niveau cérébral, il y avait quelque chose. Donc, d'après ce qu'on sait, en fait, Cullen, il avait eu au moins 4 ou 5 grosses commotions cérébrales dans sa carrière. Mais d'après son frère Brendan, il a avoué que c'était peut-être une douzaine, en fait. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Cullen, il cachait ses blessures par moment. Tu vois, ses blessures physiques, mais. Il disait pas toujours à ses entraîneurs parce qu'il voulait pas qu'on l'empêche de jouer. Tu vois, c'était un gars qui adorait tellement ça que il voulait pas qu'on l'arrête. Donc, il n'a loupé qu'un seul demi-match dans toute sa carrière. Il n'a jamais loupé un seul entraînement. C'est aussi pour ça qu'on l'appelait Rambo ou Superman, tu vois. Ouais, un athlète hors norme, mais Voilà. un humain quand même. Exactement. Donc là, encore une fois, bah, l'équipe médicale de l'Université de Boston, ils sont pas capables de donner la cause de la mort, mais ils vont aussi avancer une hypothèse. Encore une fois, attention, ce n'est qu'une hypothèse. La cause réelle de la mort reste inconnue. Là, c'est un peu technique encore. C'est que Cullen aurait pu décéder peut-être suite à une crise d'angoisse paranoïaque exacerbée par la consommation
la surconsommation de médicaments et une maladie naissante du cerveau. Voilà. Donc désorienté, il aurait erré dans les bois avant de succomber aux intempéries. Donc voilà, c'est à la fois très précis et très vague, je trouve. Donc ça réunit pas mal de critères. Il a fallu beaucoup de critères interviennent pour arriver à cette conclusion-là. C'est clair. Et c'est vrai que, en fait, depuis 2 ans environ, Cullen souffrait beaucoup du dos. Il avait 2 hernies discales. Et pour soulager ses douleurs, il prenait de l'oxycodone. C'est un médicament à base d'opium, un opioïde, comme la morphine. C'est utilisé pour soulager les douleurs très sévères, comme les douleurs cancéreuses, tu vois, malheureusement. C'est 2 fois plus puissant que la morphine. Et l'oxycodone, ça a des effets secondaires assez importants, notamment des nausées, des vomissements, des confusions mentales possibles, sensations vertigineuses. Donc effectivement, quand tu lis ça, tu dis bah ça paraît assez convaincant comme ça, même si c'est un peu vague quand même. Ça paraît assez plausible. Mais bon, le petit problème, c'est qu'il faut quand même rappeler que Cullen, il n'est pas mort d'hypothermie. Hein. Pour moi, ça ne colle pas totalement. Il n'est pas mort d'hypothermie. Donc de quoi il est mort? On reparlera de ça plus tard. Hein. Voilà, donc pendant que les équipes médicales se creusent la tête pour savoir de quoi, pour comprendre comment Cullen a pu mourir, on organise ses funérailles. Donc le 4 juin 2013, Cullen, il est inhumé au cimetière Saint-Hedwig de Dearborn Heights, dans le Michigan, avec toute sa famille, mais aussi avec beaucoup d'autres personnes. Plus de 1000 personnes vont assister à la cérémonie et venir lui rendre un dernier hommage, pour te dire que ce gars était vraiment ultra populaire. Et la fin tragique de Cullen a marqué beaucoup de monde dans la région. Et c'est vrai que personne ne mérite de partir si jeune, c'est vrai, et de cette manière. Et Cullen, il était très apprécié, hein, très populaire dans le coin, auprès des jeunes notamment, tu vois, il faisait souvent des dédicaces, il était très accessible. Et voilà, mais le problème, c'est que passé l'émotion, il y a quand même beaucoup d'observateurs qui ont commencé à se poser des questions, s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de Cullen. Et la célèbre chaîne CNN, tu vois, une chaîne nationale, elle a même fait un article dès le 30 mai 2013. Parler, c'est ça, de la mort mystérieuse de Cullen. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui encore, la mort de Cullen reste un mystère total. On n'a toujours pas de réponse. Voilà, donc c'est la... On vient de voir les faits. On va pouvoir passer à l'analyse de ceci. Exactement. Encore un cas bien troublant, mon cher Lionel. Un peu médical, mais bon, c'est important de donner ces précisions, tu vois, parce que c'est bien important d'avoir toutes les données avant de pouvoir avancer. Un peu médical, mais j'ai envie de dire que l'intervention des médecins via l'autopsie n'apporte pas beaucoup d'éléments qui permettent d'expliquer le décès de ce jeune homme. Tout à fait. C'est pour ça que j'avancerai une autre piste à la fin de l'émission. Eh bien, si tu veux bien, on va partir dans l'analyse des faits. Alors, il y a beaucoup d'interventions de Nuréen sur le fil de discussion. Il y a Tomu qui nous dit « Possible la crise paranoïaque en pleine nuit dans la forêt, s'il a eu une vision de 2 hommes qui le poursuivent, ça peut être crédible. » Mais Valérie, elle répond « Pareil, ça se serait vu à l'autopsie. Augmentation de certaines hormones ou neurotransmetteurs, noradrénaline, etc. quand on meurt de stress. » Donc encore une fois, une autopsie normalement bien menée, ce qui a été le cas, puisqu'il y a deux équipes et assez réputées qui se sont penchées sur cette autopsie, on va quand même suffisamment au fond des choses pour déterminer la cause d'un décès. Là, on nage dans ce qu'on appelle un flou artistique. Ouais, surtout la deuxième hypothèse qui est avancée par l'Université de Boston, qui est c'est un peu fourre-tout, quoi. Enfin, donc... Oui, encore une fois, on fait un assemblage d'hypothèses pour en créer une qui...
qui semble pas très crédible non plus. Pourquoi pas, hein. De toute façon, il y a une explication physiologique au décès de ce jeune, mais... Théoriquement, il devrait y en avoir une. Eh bien, on va te laisser nous éclairer de tes réflexions, Lionel. Ok. Donc, on passe à la partie commentaire. Donc, encore une fois, au-delà de la tristesse de la famille, le plus dur, c'est de ne pas savoir la vérité. C'est ça qui est terrible. Dans cette affaire, on a à la fois une disparition et une mort mystérieuse. Donc, les circonstances de la disparition ne sont pas claires. On ne sait pas de quoi il est mort. Bref, on est quand même dans le brouillard, hein. Et c'est aussi un peu, c'est l'une des raisons d'être de ces émissions, c'est tenter d'apporter un peu de lumière sur ces affaires. Donc pour beaucoup de monde, la disparition et la mort de Cullen Finnerty sont très mystérieuses. Pourquoi? Parce que la fin de vie de Cullen, les dernières heures de sa vie ne ressemblent pas du tout à la façon dont il a vécu. Personne n'a compris ce qui est arrivé à Cullen ce soir-là. Comment il a pu mourir si près d'une route, à moins de 100 mètres. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Elle est tellement nébuleuse que le prestigieux New York Times, qu'on ne présente plus, lui a consacré un article le 8 juin 2013. Excellent article d'ailleurs, sur lequel je me suis pas mal basé. Je pense qu'on peut, on peut quand même penser qu'il y a des informations sérieuses dans cet article, quand même. Hein. New York Times, hein. c'est pas une feuille de chou, hein. Ce sont pas des farfelus. Donc voilà. Donc on va déjà parler de la cause de la mort. Quand deux équipes médicales n'arrivent pas à déterminer la cause exacte de la mort, c'est anormal, je trouve. Donc on va passer en revue les différentes hypothèses. Donc on va parler de la pneumonie, on va s'en débarrasser tout de suite, parce que pour le premier légiste, il avançait l'hypothèse d'une pneumonie. Moi, bon, je ne suis pas médecin, mais s'il y a des médecins parmi les spectateurs qui n'hésitent pas à nous apporter leur lumière, hein. Mais moi ça me paraît assez invraisemblable dans le cas de Cullen. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que si on ne soigne pas une pneumonie avec des antibiotiques, l'infection pulmonaire peut se disséminer dans le sang et déclencher ce qu'on appelle un choc septique, possiblement mortel. Moi, j'y crois pas. J'ai pas fait médecine, mais j'y crois pas pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, Cullen, il était en excellente condition physique. On n'a jamais vu un jeune homme mourir d'une pneumonie en quelques heures. Cette pathologie, elle est surtout dangereuse pour les personnes fragiles, les personnes très âgées, les enfants en bas âge, ou les personnes, tu sais, dont les défenses immunitaires sont très affaiblies, qui souffrent de maladies chroniques. Donc, dans 80% des cas, la pneumonie a tué des personnes âgées. C'est la première cause de mortalité après 75 ans, en France. Il y a aussi un autre élément qui va dans le sens de ce que je vous raconte, hein, c'est que moi, je ne crois pas à la mort en quelques heures, parce que, en général, le délai moyen d'un décès lié à la pneumonie, c'est 30 jours. Trouver cette information sur un site médical. Et puis, il y a une dernière raison aussi qui me fait beaucoup douter de que la mort était provoquée par la pneumonie. C'est qu'on a retrouvé le corps de Cullen à seulement 800 mètres de son bateau. Il n'a pas marché beaucoup, en fait. Moi, je pense qu'il est certainement mort peu de temps après avoir abandonné son bateau. Il a fait 800 mètres. Je pense qu'il est mort dans la nuit, donc de dimanche. Il est peut-être mort à minuit, 1h du matin, très vite, je pense. On n'a pas trouvé son corps tout de suite parce que les secours ont commencé à le chercher dans la rivière. Tu vois, ils ne le cherchaient pas au bon endroit. Donc moi, la pneumonie, je n'y crois pas, pour toutes ces raisons. Donc on va maintenant passer à l'hypothèse criminelle, qui paraît un peu plus, qui pourrait paraître un peu plus crédible, quand même. Je dois d'abord dire que ce coin, il est quand même assez désert. Il faut dire ce qui est. Parce que le camping de la forêt d'État de Bray Creek, il est quasi vide. Moi, j'ai trouvé des informations comme selon lesquelles, même l'été, il n'est jamais plein, ce camping. Il n'est jamais plein, même en pleine saison. Et j'ai noté dans un article aussi que la Baldwin River, ça n'est pas une rivière où les gens vont pêcher, d'habitude. Ce n'est pas un spot de pêche.
Et en gros, il n'y a pas grand monde, quoi. C'est vide. En plus, là, rappelez-vous, c'était début mai, enfin, c'était fin mai, pardon, début de soirée. Bon, il n'y a pas grand monde. Il y a peut-être quand même des gars qui peuvent rôder dans le coin. Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, Cullen aurait pu tomber sur un deal de drogue? On est en pleine forêt, voilà. Il y en a qui ont évoqué cette possibilité, hein. Bon, sur le papier, ça fonctionne. Pourquoi pas? Mais bon, le gros problème, c'est que la piste criminelle a été formellement écartée par la police, hein. N'y a pas de trace d'agression, aucun signe d'un crime, rien. Bon, il y a quand même des détails qui posent un peu question. C'est que retrouver un corps, un cadavre face contre terre, c'est quand même suspect, quand même. Et là, il faut faire preuve de bon sens. Une personne qui est fatiguée, qui veut se reposer, en fait, elle va instinctivement s'allonger sur le dos, tu vois, pour se reposer. Elle va pas se mettre le visage contre le sol. Il y a des épines, il y a des, tu vois, c'est pas confortable, hein. Ou à moins de chuter. Mais dans ce cas-là, les bras auraient été étendus vers l'avant. Rappelez-vous que les bras de Cullen étaient le long du corps. Cette position n'est pas naturelle. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu louche dans sa mort. Ouais, effectivement, Bizarre. à moins de tomber mort foudroyé. Ouais, mais t'as quand même le réflexe d'étendre tes bras, peut-être, je sais pas. Non, mais effectivement, ça colle pas avec une mort naturelle. C'est un peu bizarre quand même. Mais comme je disais, c'est ça le problème, c'est que Cullen n'a aucune blessure, rien. La police n'a trouvé aucun signe de crime, n'a pas retrouvé la trace des deux hommes qui l'auraient vu, soi-disant. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de piste, il n'y a rien qui va dans le sens d'un crime violent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les derniers appels de téléphonie de Cullen continuent de hanter encore son épouse aujourd'hui. Lui qui n'avait peur de rien, qui n'avait jamais pratiquement eu peur de rien toute sa vie, il était apparemment terrifié. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui a pu effrayer Cullen à ce point? On a parlé de deux hommes, mais moi j'ai vraiment du mal à les croire, parce que on va revoir les mensurations de Cullen, 1m91, 107 kilos, on va revoir une photo, hein, il était très très costaud, hein, certains parlaient d'un enlèvement à l'époque, mais Cullen a parlé de deux hommes qui le suivaient, pourquoi pas, mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Personne n'y croit. Son entraîneur, Chuck Martin, qu'il connaissait très très bien, dont on a déjà parlé, il a déclaré au sujet de cette possibilité, il a dit, dans ce cas-là, il y aurait eu affrontement et la résolution aurait été rapide. Oui, ça veut tout dire. En clair, même en infériorité numérique, je pense que Cullen, il aurait foncé dans le tas, sans la moindre hésitation. Je pense qu'il serait mort, tu vois, il se serait jamais laissé attraper. Enfin, tu vois, il se serait plutôt. Il serait mort en combattant, tu vois. Il s'était battu toute sa vie, donc. On le surnommait Rambo quand même, hein. La confrontation physique ne lui posait aucun problème. Il adorait ça, au contraire. Il était tout à fait à l'aise avec ça. On va avoir une photo avec le match, de match, tu vois. Ça n'arrêtait pas les contacts. Et je vais maintenant vous raconter une anecdote assez révélatrice de la personnalité, du tempérament de Cullen. Lors de sa première saison, lorsqu'il est arrivé à Grande Vallée, il paraît qu'il y avait des membres d'une fraternité, tu sais, d'étudiants. Vous savez, ce sont les organisations sociales d'étudiants qui organisent des soirées, ils font la fête, là. Donc ce sont des fraternités d'étudiants qui vivent souvent dans une maison, là, ensemble. Et il y a un de ces gars-là d'une fraternité qui s'en était pris à un équipier de Cullen. Eh bien, Cullen, il s'était pas démonté. Il était allé seul dans la maison de la fraternité. Il paraît qu'il était rentré dans une pièce. Il y avait sept gars. Sept gars. Sept membres d'une fraternité. Il leur a demandé qui s'en était pris à son ami. Et comme personne ne voulait répondre, il leur a dit que ben, je vais m'occuper de vous les uns après les autres. Donc, tout le monde a pris peur dans la pièce. Il paraît qu'il y a deux gars qui ont sauté du balcon. Donc tu vois, il était prêt à affronter sept gars. Donc je ne pense pas qu'il aurait eu peur de deux types sur une berge. Pas du genre à se laisser intimider, ouais. Non. Je pense que Cullen se serait battu jusqu'à la mort. Tu vois, je pense qu'il y aurait eu confrontation. Il serait peut-être resté au sol ou les deux autres gars, mais tu vois, il se serait jamais laissé emmener quelque part. Voilà. En tout cas, ce soir-là, Cullen était très nerveux. Il avait peur de quelque chose. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Il avait peur de quelque chose. Il a dit être suivi par deux hommes, mais est-ce qu'ils étaient vraiment réels? C'est vrai. Faut se poser la question. Est-ce qu'il aurait pu faire une crise de paranoïa aiguë? Et si tout s'était passé dans sa tête?
Ce qui nous renvoie à l'hypothèse avancée par la deuxième équipe médicale, que j'ai appelée le problème mental, tout simplement. Parce que c'est vrai que lors de la deuxième autopsie, on a découvert que l'âne avait un problème au cerveau. Il avait les signes précurseurs d'une encéphalopathie traumatique chronique. ETC. Je suis content, j'ai réussi à le prononcer une deuxième fois. Bravo. Une maladie dégénérative du cerveau. En fait, c'est ça, c'est que le cerveau, à force de recevoir des coups comme ça, bah, au bout d'un moment, il se dessèche, il s'atrophie. On va voir une photo, ouais, c'est qui est assez peu ragoûtant, je dois dire, mais bon. Et le gros problème, c'est ça, c'est que ça engendre des maladies très graves, très très graves. Alzheimer, Parkinson, la démence même. Ce sont des maladies qui touchent les vieillards, non, tu sais, la démence. Et l'ETC, ça peut très bien être causé par des commotions cérébrales multiples, comme ça. Les joueurs de football américain sont concernés. J'ai trouvé sur un site, voilà, les chocs répétés altèrent les cellules nerveuses. Et surtout lorsque le cerveau n'a pas été mis au repos. Et malheureusement, c'est aussi assez fréquent chez les boxeurs. Tu vois. Je vous ai mis une petite image de Rocky quand on a parlé de Stallone. Un petit clin d'œil. Voilà. C'est la soirée hommage. Voilà. L'exemple le plus connu, c'est Mohamed Ali aussi. C'est vrai, c'est un grand, grand champion et qui a souffert de Parkinson. Il est mort assez vieux tout de même. Mais bon, bien entendu, il n'y a pas de cause unique aux maladies. Mais bon, souvent, c'est multifactoriel. Mais bon, il faut dire les choses. Hein. C'est vrai que les sports violents comme ça. Il paraît qu'à Mohamed, tu sais, Mohamed Ali, à la fin des entraînements, il baissait la garde, il demandait à son sparring partner de lui mettre des coups de poing à la tête, volontairement. Donc, il a été diagnostiqué Parkinson à 42 ans. Il est mort à 75 ans. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Cullen avait un début de problème au cerveau. Il avait des soucis de santé. Le week-end de Memorial Day, il avait quand même eu des problèmes aussi. Il avait du mal à dormir, il s'était plein de migraines. Et je dois aussi, il faut avouer autre chose aussi, c'est que 2 ans plus tôt, il était déjà arrivé une aventure bizarre à Cullen. Une aventure que je vais vous raconter maintenant. Donc ça s'était passé en 2011 à Détroit, donc la capitale du Michigan. En 2011, donc Cullen, un jour, il était pour le travail avec des collègues à Détroit. Et il avait appelé son grand frère Tim. Et il était un peu en panique. Il lui avait expliqué qu'il était persuadé d'être suivi par des hommes. Apparemment, il était très, très stressé. Et il lui racontait qu'il y avait des hommes qui le suivaient. Il en était persuadé. Et il pensait même savoir qui étaient ces hommes. Selon Cullen, ces hommes étaient des agents du FBI. Donc la team, il avait essayé de raisonner son frère. Mais Cullen, il était tellement paniqué qu'en fait, il avait fait immédiatement 250 km en voiture pour se réfugier chez son frère à Grand Rapids. Et quand Cullen, il est arrivé à Grand Rapids chez son frère Tim, selon son frère, il n'y avait personne derrière lui. Il n'y avait personne. Et selon Tim, Finnerty, lui, il a déclaré que Cullen n'était plus lui-même. Apparemment, Cullen était resté en panique pendant 4 jours. Et sa famille ne l'avait jamais vu dans cet état de paranoïa. Ils avaient supposé qu'en fait l'abus d'antidouleur était en cause. C'est vrai qu'il prenait régulièrement des médicaments à base d'oxycodone, comme je vous ai expliqué. Il y a des effets néfastes. Donc voilà, donc, en résumé, peut-être est-ce que Cullen aurait disjoncté pendant qu'il pêchait sur la Balloon River? On peut se demander s'il n'aurait pas souffert d'hallucinations. Il aurait vu ses gars, tu vois. Il aurait imaginé ses gars qu'il suivait. Est-ce que ses plus grandes craintes ne se seraient pas matérialisées en quelque sorte sous ses yeux? Je ne sais pas. Il aurait fait un espèce de cauchemar éveillé, tu sais, pour faire ça. C'est terrifiant. Pourquoi pas? Je dois faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est possible. Vu son passé et ses antécédents, Cullen, il a pu avoir un épisode de maladie mentale et mettre sa vie en danger. Ça peut s'entendre de prime abord. C'est une hypothèse qui tient la route. Bon, la conclusion de la seconde autopsie, enfin, l'hypothèse de la seconde autopsie, elle est vague. Je ne peux pas vous la répéter, hein, mais bon, ça, c'est un peu la même chose, en fait. C'est ça. Ils expliquent que c'était là, il aurait fait une crise d'angoisse paranoïaque à cause des médicaments mélangés à la maladie du cerveau, blablabla. Mais bon, ok, peut-être. Mais bon, le problème, c'est que pour moi, il y a quand même deux gros problèmes qui restent. Hein, c'est que
Le premier gros problème, c'est de quoi il est mort. Je veux dire, d'accord, il était visiblement très perturbé, mais ça n'explique nullement son décès. Je veux dire, une maladie mentale ne peut pas être la cause directe d'un décès, hein. Indirect. Tu vois, à la rigueur, tu disjonques, tu prends des risques inconsidérés et tu as un accident fatal, par exemple, tu vois. Ou alors une attaque cardiaque qu'on arrive à déceler lors de l'autopsie. Et cette crise de paranoïa peut expliquer l'attaque cardiaque par un stress élevé. Mais là, encore une fois, l'autopsie ne révèle pas de défaillance cardiaque. Non, 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 c'était marqué noir sur blanc dans l'article. Donc, certains seront tentés de simplifier les choses et de dire que bah, il avait des problèmes mentaux, c'est pour cette raison qu'il est mort. Mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Et sa maladie mentale, sa maladie du cerveau, pardon, n'était pas un stade avancé, hein. Elle n'était que naissante. Et comme pour l'Alzheimer, ça démarre très lentement. Hein. C'est un long processus, malheureusement. Hein. Donc, et que l'un n'est pas mort d'hypothermie, c'est ça, ni de crise cardiaque. Donc moi, je veux qu'on me dise de quoi il est mort. Il n'est pas mort d'hypothermie. Tu sais, on aurait pu penser qu'il aurait pu mourir de froid, tu sais, à force de rester dehors. Mais non, non, ça n'a pas été précisé. Donc c'est un gros, gros problème. Premier gros problème. Encore une fois, là, ce sont que des hypothèses. Personne n'était capable de dire de quoi il est mort. Donc, certains spectateurs, parmi nos chers Nuréens et spectateurs de YouTube, sont peut-être toujours sceptiques, et je veux bien les croire. Hein. Mais je vais quand même porter maintenant à votre connaissance un élément qui est pour moi capital, qui prouve qu'il s'est passé quelque chose d'anormal la nuit de la disparition de Cullen. Il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a un autre problème, il y a un autre problème assez énorme qui est lié au téléphone de Cullen. Mais on va déjà parler, déjà avant, d'un témoin. Il y a un homme qui s'appelle David Kibbe, dont on va voir une photo. En 2011, donc, il a acheté un terrain au nord de la Baldwin River pour camper et pêcher. Plusieurs hectares, c'est très sauvage. Il n'a jamais rien construit là. Il vient souvent avec son camping-car pour pêcher, il passe quelques nuits là. Et en fait, Cullen, il a été retrouvé pas loin de chez lui. Et possiblement, il aura pu même passer sur son terrain, peut-être. Enfin, passer tout près. Eh bien, David Kibbe, le voisin, il n'a jamais compris comment Cullen avait pu se perdre dans cette zone. Il a déclaré que, quelle que soit la direction dans laquelle il serait allé, il aurait été bloqué par une clôture, ou il aurait rencontré quelqu'un. Parce que ce n'est pas non plus une zone complètement déserte. Mais tu vois, lui, le soir de la disparition, David Kibbe, il était sur son terrain. Il était même avec sa compagne. En fait, il était en train de boire un verre avec sa compagne. Et apparemment, il a expliqué que le soir de la disparition, le dimanche soir, tard le soir, très tard, il a entendu des hurlements dans la nuit. Des hurlements qui provenaient de la forêt, dans la distance. Et en fait, bah, il s'est dit que c'était des gars qui étaient en train de faire la fête, tu sais. Des gars qui étaient en train de brailler, tu sais, parce que c'était le Memorial Day. Donc, il y en a qui font la fête. Hein. Tu sais, tu as des feux d'artifice, tu as des pétards, tu en as qui boivent un petit coup. Voilà, donc, en réalité, il s'agissait certainement plutôt de Cullen en train de hurler. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est assez terrifiant quand même. Hein. La grande question, c'est de savoir, est-ce que Cullen était seul ou pas? Est-ce qu'il était seul? Ça, en proie à des hallucinations, ça c'est assez terrifiant. Ou est-ce qu'il était agressé par quelqu'un ou quelque chose? Donc ça, je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais il y a encore 30 ans, vous disparaissiez, on n'avait pas de téléphone portable. Donc en gros, vous disparaissiez, c'était fini, terminé, c'était le brouillard total. Les gens se volatilisaient, et point barre, voilà. Aujourd'hui, on a des appareils électroniques sur nous qui laissent des traces. Au fond, ce sont des mouchards. Hein. En gros, on peut être capable de savoir où tu es, hein, même après coup. Mais dans le cas des disparitions, c'est intéressant parce que tu vois, ça fournit des informations utiles pour éclairer les mystères. Et dans le cas de Cullen, il possédait un iPhone. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'a fait le shérif le soir de la disparition. Il a réquisitionné l'opérateur de téléphonie mobile pour géolocaliser l'iPhone de Cullen. Et
En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont fait un test de ping. Ils ont envoyé un signal vers l'appareil afin de voir quelles antennes relais étaient activées pour déterminer la localisation, enfin, par triangulation. Voilà. Et c'est ce qu'ont fait les techniciens dans Télécom ce soir-là. Et quand les résultats sont tombés, bah, ils ont été très surpris parce que les résultats des tests de ping sont vraiment aberrants. En fait, le smartphone de Cullen, le soir de sa disparition, au moment de sa disparition, il a été tracé à 4 endroits différents en un temps très court. 5 km au sud, 8 km au nord. Et quand ils ont vu ça, les techniciens des télécoms et le shérif, ils ont été dépassés parce que ces pings ne riment à rien. Ils impliquent que Cullen s'est déplacé à une grande vitesse entre ces points. On en est à peu près sûr parce que rappelez-vous que Cullen avait son iPhone dans sa poche. Donc, si le téléphone s'est déplacé, il y a de grandes chances que Cullen soit déplacé avec. Hein. Et l'autre gros problème, c'est qu'il a obligatoirement croisé au moins une route dans le secteur. Donc, il a en aucun cas pu se perdre dans la nature. C'est pas possible. Donc, il y a vraiment eu un événement inexpliqué, complètement anormal. Il s'est passé, quand on examine des faits, hein, c'est un constat technique, les données techniques, il est arrivé à Cullen un événement inhabituel et hors norme. Parce que les troubles mentaux n'expliquent pas les pings aberrants laissés par son smartphone. Hein. On est clairement dans l'inexpliqué et le mystérieux. Là. Ben, jusqu'à présent, on pouvait avoir un doute, mais là, il y a quand même quelque chose. Il y a une donnée matérielle solide, incontestable. Ou alors, ça voudrait dire que Cullen a couru 26 km aller-retour, mais bon, déjà, je ne sais pas s'il en était capable, dans le noir, dans l'obscurité, en forêt. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait une chose pareille. Et puis apparemment, la vitesse était trop rapide. Ce n'était pas possible. C'était beaucoup trop rapide pour être un homme qui court. Donc voilà, la technologie montre qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là, un événement inexpliqué. Tout n'était peut-être pas dans la tête de Cullen. La question qui revient, c'est qu'on a trouvé Cullen à 800 mètres de du navire qu'il avait laissé, enfin du bateau qu'il avait laissé au bord de la rivière. Et que là, on voit qu'on a une amplitude de 13 km de mouvement sur le téléphone. Mmh. Exactement. Là, on est dans le surnaturel. Ou l'erreur technologique. C'est rare que les appareils bug quand même. Ils font pas de politique, hein, les appareils technologiques. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais donc... C'est vrai que l'endroit où pêchait Cullen, il est peu fréquenté, il est isolé quand même. Hein. Il a peut-être rencontré quelque chose cette nuit-là, finalement. Peut-être. Dieu seul sait ce qui peut rôder de la nuit dans ces bois, je ne sais pas, moi. Donc, Cullen n'avait pas peur des hommes. On peut raisonnablement affirmer qu'il n'avait pas peur des hommes. Donc, s'il a été agressé, il faut se poser la question, s'il avait peur de quelque chose, il faut s'interroger sur la nature de ses agresseurs. Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'hommes ? Alors je devine certains qui vont peut-être sourire parmi les spectateurs, ricaner peut-être. Ah non, ça ricane pas, il y a des hypothèses très intéressantes qui se profilent, je te les dirai après que tu nous excuses les siennes. Non, mais je m'adresse aux plus sceptiques cartésiens d'entre nous, voilà. Et c'est tout à fait leur droit. Tout à fait. Je dis ça, ce que je vais vous dire, je ne dis pas ça de façon totalement gratuite, parce qu'il y a un élément du dossier solide, qui fait pencher l'affaire dans le paranormal, qu'on le veuille ou non. C'est déjà ces tests de ping, ces données techniques complètement aberrantes, inexpliquées. Tout le monde a entendu parler donc, du New York Times, comme je vous expliquais, c'est prestigieux, hein. c'est pas un journal de complotistes, de fondu du bocal, c'est mythique le New York Times. Et le New York Times, il a fait un article remarquable sur cette affaire. Eh bien, tenez-vous bien, il est indiqué dans l'article que deux habitants du coin, ils ont envoyé séparément un email au shérif de Lake County pour lui dire que Cullen aurait été effrayé par le Bigfoot. Deux locaux qui ont envoyé ces messages inattendus, qui sont écrits noir sur blanc dans les rapports de la police. Vous voyez l'article du New York Times, c'est dans le dossier. Voilà. Deux habitants du coin qui ne se connaissaient pas ont pris la peine d'écrire au shérif pour lui indiquer cette possibilité. Donc je ne sais pas sur quoi ils se basaient
pour affirmer une chose pareille. Mais quand on repense aux dernières paroles de Cullen, c'est quand même troublant. Il a affirmé avoir vu deux silhouettes sur la berge, mais il faisait très sombre. Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'hommes? Il a pu se tromper, peut-être. Et c'est peut-être quand il a vu ces choses de près, ces silhouettes, qu'il s'est enfui dans les bois. C'est là qu'il a eu peur, qu'il était terrifié. S'il s'est rendu compte que ce qu'il pensait être des êtres humains, finalement, n'avait rien d'humain. Parce que, en fait, si Cullen, ce colosse, a eu peur, imaginez la réaction d'une personne normale. Comme vous et moi, par exemple. Peut-être que Cullen n'a pas souffert d'hallucinations, hein, parce que les pings constatés par l'opérateur téléphonique sont bien réels et n'ont aucun sens. Donc, il s'est passé un événement inexplicable ce soir-là au bord de la Baldwin River. Cullen et son téléphone qu'il portait dans sa poche se sont déplacés à grande vitesse dans des directions éloignées de plusieurs kilomètres, nombreux kilomètres. Donc maintenant, moi, je vais avancer une explication tout à l'heure. Voilà. Alors là, dans l'immédiat, est-ce que Cullen aurait pu se retrouver nez à nez avec deux Bigfoot? On va maintenant étudier cette hypothèse clairement paranormale. On va parler un peu de cryptozoologie, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Donc, la cryptozoologie, c'est un terme un peu barbare qui est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence de manière irréfutable. Ces animaux inconnus, étranges, on les appelle des cryptides. Le cryptide le plus célèbre, c'est peut-être, après le monstre du Loch Ness, c'est probablement le Bigfoot. Voilà. On ne va pas se poser la question de savoir si le Bigfoot existe ou pas, ce serait une autre émission. On l'aurait quand même vu deux, trois fois aux États-Unis, hein. On va en montrer une carte. Hein. Ouais, donc, plus de 3000 observations ont été officiellement rapportées en 90 ans, si on se réfère à cette carte. Et encore, c'est une estimation basse, à mon avis. En tout cas, d'après tous les récits des témoins, le Bigfoot est rarement agressif. Bon, il y a quand même quelques récits d'enlèvement, notamment de femmes indiennes, dans les légendes locales. Il y a des récits de jets de pierre aussi, de pommes de pin par des témoins, sur ceux qui l'approchent de trop près. Mais en règle générale, le Bigfoot, il a tendance à fuir l'homme. Hein, tu vois, le Bigfoot, c'est le cryptide le plus connu, mais il a un côté assez sympa, tu sais, un peu hippie sur les bords. Il a une image plutôt sympathique auprès du grand public. Et puis, grâce aussi à des séries télé, des films, comme Bigfoot et Lee Anderson, tu vois, notamment. C'est un peu le copain rêvé des enfants, presque. Bon, même vous si... Vous cherchez le babysitter. Ah, ça peut faire, hein. Bon, même s'il n'y a pas de preuves solides de son existence, je le concède, j'ai tendance personnellement à penser qu'il y a quelque chose derrière ce phénomène, pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant. Mais en tout cas, je doute que s'il existe, il soit dangereux. Par contre, je connais un autre cryptide, moi. Moins connu, beaucoup plus agressif que le Bigfoot, hein, d'après les témoins, qui ont pratiquement tous été terrifiés par leur rencontre. Donc, si vous avez vu toutes mes émissions, je pense que vous voyez sans doute où je vais en venir. Il y a des chances. Ah bah, si vous ne savez pas, il va falloir rattraper ça. Voilà. Donc, j'ai fait 4 heures d'émission en deux parties sur ce sujet. Le fameux Dogman. Voilà. Le terrifiant Dogman, devrions-nous dire. Terrifiant Dogman. Soit dit en passant, c'est l'émission la plus complète qui ait jamais été faite en France sur le sujet. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans les 4 heures d'émission. Je vais faire un résumé quand même pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Et puis, de toute façon, c'est utile de le dire maintenant, quoi. Ça a raison d'être dans cette émission. Le Dogman, donc, ça serait une créature que beaucoup de témoins décrivent comme ressemblant, comme deux gouttes d'eau, à un loup-garou. C'est très sérieux. Donc, officiellement, du point de vue de la science, le Dogman n'existe pas. Évidemment, c'est normal, je veux dire, on n'a pas de preuve irréfutable de son existence. On n'en a jamais capturé un seul, on n'a jamais trouvé de cadavre. Quoique, ne pas trouver de cadavre, ça n'est pas une preuve non plus de l'inexistence, hein, parce qu'un cadavre de Dogman, ça pourrait ressembler à un cadavre de grand chien loup. Voilà. Le plus souvent, on aperçoit le Dogman au bord des routes, la nuit. C'est une créature essentiellement nocturne.
en train de manger des animaux écrasés. Il y a un spécimen de Dogman qui est très connu. C'est la bête de Bray Road, qui a terrifié beaucoup d'automobilistes dans le Wisconsin, l'état voisin du Michigan, à la fin des années 80. Vous allez voir un croquis précis réalisé par Linda Godfrey, qui est la spécialiste mondiale du Dogman, avec qui j'ai eu un échange d'ailleurs l'an dernier. C'est Linda Godfrey qui a sorti l'affaire de la bête de Bray Road. C'est la spécialiste mondiale. Voilà. Et ce dessin, ça vous montre à quoi ressemble cette créature. Et ça, c'est exactement la description donnée toujours par les témoins. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le Dogman est plutôt effrayant. Je ne sais pas. Sur ce dessin-là, moyennement, encore une fois, après avoir suivi les 4 heures d'émission qu'on a fait ensemble sur le sujet, je n'aimerais pas croiser cette bête-là, si on peut l'appeler une bête, tard le soir lors d'une partie de pêche dans les bois. C'est clair. Donc, soit dit en passant, c'est sans doute une coïncidence, mais rappelez-vous du nom du camping près duquel a disparu Cullen. Le camping de la forêt de Bray Creek. Bray. Bon, c'est une coïncidence. Probablement. C'est un nom propre, Bray. Donc, voilà. Parce que la bête de Bray Road, Bray Road, c'est la route de Bray, parce que il y avait un ancêtre, c'était Bray, un certain Bray qui vivait sur cette route. Donc les gars, à l'époque, quand ils ont cherché un nom à la route, tu vois, ils n'ont pas fait preuve d'une imagination débordante. Ils se sont dit, ça va être la route de Bray. Voilà, tout simplement. Donc, je continue. On aperçoit le Dogman un peu partout aux États-Unis, mais même à l'étranger, notamment chez nos amis québécois. Hein. On l'aperçoit en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Mais le berceau du Dogman, c'est le Michigan. On l'a tellement vu dans cette région qu'on parle du Dogman du Michigan. Son nom entier, c'est le Dogman du Michigan. C'est la créature inconnue, mystérieuse, emblématique de l'État. Donc, certains vont dire, ouais, ce sont des conneries racontées sur Internet. Peut-être. Peut-être que certains vont avoir cette réaction, mais c'est vrai qu'il y a quelques photomontages grossiers qui circulent sur Internet. Mais c'est vrai, c'est pareil pour le phénomène OVNI. Hein. En tout cas, je pense que la grande majorité des témoins sont sincères. Souvent, ils ne croient pas du tout au paranormal. Hein. Ce sont des gens vraiment comme vous et moi, des gens tout à fait normaux. Hein. Et il faut savoir surtout, c'est ce qui, je trouve, invalide totalement cet argument de dire que c'est une création d'Internet, c'est que la première observation de Dogman est très très ancienne, bien avant l'invention d'Internet. La première observation officielle, elle remonte à 1887. Dans le comté de Wexford, deux bûcherons qui auraient vu une créature monstrueuse, une créature humanoïde avec un corps d'homme et une tête de chien loup. C'est un des titres de Dogman, il y en a plusieurs. J'explique tout ça dans l'émission. Alors, il se trouve que, c'est pas tout, hein. Il se trouve que la forêt d'État de Bray Creek, où coule la Baldwin River, elle touche la forêt de Manistee, Huron-Manistee. Et la forêt de Manistee, elle est considérée comme un hotspot pour le Dogman. Il a été très très souvent vu dans cette région. Et il est encore signalé de nos jours. Et la forêt de Manistee, ce n'est pas une petite forêt, hein, c'est immense. Et pour moi, elle pourrait très bien abriter des formes de vie inconnues. Hein. C'est immense. Il pourrait très bien se cacher. Il se trouve que j'ai trouvé un témoignage très intriguant. C'est qu'en 1967, dans cette forêt de Manistee, pas si loin que ça de la Malone River, hein, deux pêcheurs étaient en train de pêcher sur un lac, à bord d'une barque. C'était la tombée de la nuit. Ils étaient sur leur bateau, comme Cullen. Ils étaient en train de nager, ils sont en train de ranger leurs affaires pour rentrer. Quand soudain, ils aperçoivent un truc. Ils voient un truc dans l'eau, un peu plus loin, quelque chose qui nage, qui vient vers eux, qui s'approche. Et plus ça s'approche, mieux il la voit. Et au début, il pense avoir affaire à un loup, un animal, parce qu'il voit une tête avec des oreilles pointues, un museau. Mais plus ça se rapproche, plus ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'en fait, cette chose a des bras. C'est une créature humanoïde, avec une tête de loup, de chien-loup. Et cette chose, elle arrive tellement près d'eux qu'elle percute leur barque, comme pour les faire tomber à l'eau. Hein. Je ne vous raconte pas la terreur des gars. Hein. Ils ont une espèce d'instinct de survie. Ils ont réussi à repousser cette bête à coups de rame. La bestiole est repartie, mais ils ont eu la peur de leur vie, en tout cas. Ça, c'est certain. Cullen était lui aussi terrifié, effrayé la nuit de sa disparition.
sur un bateau, pareil, en milieu aquatique. Ça n'était pas dans son tempérament d'avoir peur. Cullen, il n'avait pratiquement jamais eu peur de rien dans sa vie. Je pense que s'il y a bien une seule chose qui était capable de terrifier Cullen, c'est le Dogman. On va voir un autre croquis du Dogman. Pour le coup, là, on a une affaire à une créature complètement cauchemardesque. Pour moi, ça, c'est la peur ultime pour moi. Tu peux pas faire pire. Voilà. Imagine que tu rencontres ça au coin du bois la nuit. Il y a moyen de se faire dessus, comme on dit. Voilà. Donc, et en plus, dans ce cas-là, dans le cas de Cullen, il y avait peut-être deux, en fait, parce qu'il a vu deux silhouettes, lui. Hein. Et on a déjà eu des témoignages où des témoins ont vu plusieurs dogmen. Des dogmen, donc voilà. Bon, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Une autre image maintenant pour vous donner un peu l'idée de la taille de la créature. Et on va voir que le dogman, il est, d'après les descriptions des témoins, il est beaucoup plus grand et puissant qu'un être humain. Il le dominerait très facilement. C'est d'ailleurs ce que ressentent tous les témoins hein, qui nous expliquent, tous les témoins qui ont aperçu le dogman, même quelques secondes, hein, ils ont été traumatisés, même quand ils étaient à bord de leur voiture, quand ils les croisent au bord de la route, ils le voient quelques secondes déjà, l'image du dogman se grave dans leur esprit, ils s'en rappellent mais 20 ans après. Alors je ne vous raconte pas ceux qui l'ont vu en face à face dans la nature, comme ça. Hein. Et tous les témoins nous racontent qu'à chaque fois, ils ont une forte impression mentale, comme si cette créature essayait de leur faire comprendre qu'elle est plus forte qu'eux, qu'elle pourrait les dévorer si elle le désirait, si elle le voulait. Ça serait très facile. Le dogman, il a une attitude très narquoise. Il sourit souvent aux gens, en plus. Et ce n'est pas un sourire amical, hein. C'est plutôt un sourire narquois, tu sais. Le dogman, c'est bien plus qu'un animal. Il est très intelligent. C'est plus qu'un animal. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à douter à la piste de chair et d'os. Pour moi, c'est autre chose. Voilà. Je continue, toujours en lien avec notre affaire. Le dogman, il a une prédilection pour les territoires de plaine, mais surtout les endroits où il y a de l'eau, des marécages. Et ça correspond exactement à la zone où a disparu Cullen. Beaucoup de marécages. Autre indice intéressant, c'est un détail, mais dans les affaires criminelles, les détails, ça compte, hein, c'est important. C'est ce qui fait la différence, souvent. Si vous avez regardé l'émission sur le dogman, j'ai expliqué qu'il y a un lien entre le dogman et la religion. Pourquoi ? Parce que le dogman, cette créature inconnue, mystérieuse, elle est souvent vue à proximité de lieux religieux, de cimetières, qu'ils soient chrétiens ou indiens, de routes qui portent des noms religieux, Church Road par exemple, la route de l'église. On a déjà eu des cas où des créatures inconnues, non identifiées, de type canine, ont laissé des marques de crocs et de griffures sur les murs d'une église. On va voir une image de coupure de presse. Certains vont dire que ce sont peut-être des chiens errants, mais le gros problème, c'est qu'on a retrouvé ces traces à 2 mètres de hauteur. Et le dogman, il est souvent décrit comme mesurant entre 1,80 m et 2,20 m, voire plus. Voilà. Alors, je reviens au lien avec la religion. Dans le cas de Cullen, pour moi, ça fait sens, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la fin de la carrière des grands sportifs. C'est toujours difficile, la fin de carrière des grands sportifs de haut niveau. La reconversion, souvent difficile. Il y a un vide énorme, il faut le dire. Et ben, dans le cas de Cullen, en fait, il avait réussi à combler ce vide essentiellement par trois choses. Le sport, déjà, un petit peu, il s'y était remis. Parce qu'avant de disparaître, il se remettait au sport. Il avait limité les médicaments. Il se remettait au sport. Donc, il était quand même en meilleure santé, hein. Il avait aussi, tu vois, il prenait moins de médicaments. Deuxième chose, la famille, c'était très important pour lui. Les Irlandais, ils sont attachés à leurs racines, ils sont soudés. La troisième chose très importante pour Cullen, c'était la religion. La religion, c'est très important chez les Finnerty. Chez les Finnerty, on est assez croyants. Et Cullen était fier d'être catholique. J'ai même retrouvé sur sa page Facebook un message, on ne peut plus clair. C'est une belle journée pour être un catholique irlandais. Et c'est pas tout. Rappelez-vous que 15 jours plus tôt, Cullen avait fait baptiser sa fille, McKinley. Dernière preuve de ce lien avec la religion, le grand-oncle de Cullen, qui s'appelle Daniel O'Sullivan, il est révérend. C'est lui qui a marié Cullen et Jennifer, c'est lui qui a baptisé leur fille. Donc, il y a un lien avec la religion.
hasard, coïncidence, je ne sais pas. On continue. Il n'y a pas de blessure chez Cullen. Cullen, c'est un peu la caractéristique de sa mort. Ce qui en fait vraiment le côté très mystérieux, c'est qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Pas la moindre blessure. Le corps était intact quasiment. Mais c'est cohérent avec ce que j'ai raconté dans l'émission sur le Dogman. Parce que rappelez-vous, les cas d'attaque avérés sont rarissimes. Le Dogman est très agressif, il est menaçant, très effrayant. Mais il semblerait qu'il passe très rarement à l'acte. Bon, après, on ne sait pas, hein, parce que c'est quand même assez rare que les cadavres aient porté plainte, en général. Peu courant. Certains votent, mais porter plainte, on n'a jamais vu. Si des randonneurs ont été tués, ils sont peut-être pas revenus témoigner, je ne sais pas. Parce que je vais rappeler un chiffre quand même. Aux USA, 900 000 personnes disparaissent chaque année. La grande majorité de ces gens sont retrouvés. Mais il y a quand même 10% de ces personnes qu'on ne retrouve pas. 90 000 personnes chaque année. Un certain nombre se volatilisent dans les grands, dans les vastes zones sauvages aux États-Unis. Donc on ne peut pas savoir. Je veux dire, s'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas savoir. Et une des autres caractéristiques du Dogman, c'est qu'il court très vite, selon les témoins. Il court très très vite. Il a des cuisses très musclées, il fait des bonds énormes. Il a une capacité à se déplacer très très vite, à une vitesse prodigieuse. Alors moi, je vais avancer une hypothèse. Je ne sais pas. Est-ce qu'un Dogman n'aurait pas attrapé Cullen ce soir-là? Ça expliquerait ses déplacements rapides et étranges. Moi, je pense que Cullen s'est déplacé parce qu'il avait son iPhone dans sa poche. Mais c'est vrai que la théorie a ses limites. Hein. Cette théorie a ses limites, je concède, hein, je suis d'accord. Parce que ça voudrait dire que le Dogman l'aurait entraîné, il serait revenu, il l'aurait ramené, il aurait fait un aller-retour. Hein. Excuse-moi, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a une explication de Xavier que je trouve très drôle qui nous dit « Le Dogman, il voulait jouer avec l'iPhone, il a couru partout dans les bois avec et comme il n'arrivait pas à le débloquer, il lui a rendu. Cullen a été foudroyé par son haleine fétide. » On a des enquêteurs, c'est les Nuriens. On a des enquêteurs. Bon, on est dans la théorie pure, d'accord. Mais bon, on se lâche un peu, c'est la fin. On explore toutes les hypothèses. Et la piste paranormale est dans le dossier, qu'on le veuille ou non. C'est que le Bigfoot a été est dans l'article. Hein, donc, c'est pas moi qui ai créé du mystère artificiellement. Hein. Je vais un peu développer quand même. Moi, je suis quelqu'un de assez cartésien, mais je suis un esprit libre, je suis un esprit assez ouvert sur le paranormal quand même. Je pense que malgré les immenses progrès réalisés par la science, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore à l'heure actuelle. On n'est pas à l'abri de faire des découvertes extraordinaires, bouleversant l'histoire de l'humanité, notamment dans les mondes parallèles, au niveau des univers multiples. Donc, moi, je considère qu'à partir du moment où une disparition et une mort ne sont pas normales, qu'on est incapable de les expliquer, je pense qu'elles pourraient très bien relever du paranormal. Je ne sais pas. Parce que, imaginons qu'une forme d'intelligence inconnue existe. Comme le Dogman, par exemple. Mais ça pourrait être autre chose, hein, quelle que soit sa nature. Parce que le Dogman, s'il existe, il pourrait être, je l'explique dans l'émission, ça. Il peut être d'origine terrestre, il peut être d'origine extraterrestre, il peut être d'origine paranormale, tout ce que vous voulez. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le Dogman. Ou autre. Ouais. Donc, supposons qu'une forme d'intelligence inconnue existe, qui n'a pas encore été identifiée, hein, par la science. Une forme d'intelligence inconnue qui soit dotée de pouvoirs qui nous dépassent, qu'on soit incapable d'expliquer. Qu'elle se présente à nous sous la forme du Dogman, par exemple. Bon. Si cette forme d'intelligence tuait un être humain, pour une raison quelconque, c'est pas aberrant de penser qu'elle pourrait utiliser une méthode qu'on est incapable d'expliquer, je veux dire, au stade actuel de nos connaissances. La cause de la mort serait donc inconnue, comme dans le cas de Cullen. Moi, je pense que rien ne nous permet d'écarter cette possibilité. Hein. Je veux dire, le Dogman, on n'a pas de preuve solide de sa réalité, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de son inexistence. Je veux dire, moi, je pense qu'à tendance, comme pour le Bigfoot, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose, parce que je pense que dans leur immense majorité, je pense que les gens ne sont pas des imbéciles. Je veux dire, ils vont pas confondre un coyote avec un Dogman, tu vois. Ils vont pas. Ce sont des ruraux, souvent. Ils sont habitués à voir des animaux sauvages. Hein, donc, moi, je ne sais pas ce qui se cache derrière ce phénomène, mais je pense, je doute qu'on ait affaire à une créature faite de chair et d'os. C'est plus qu'un simple animal. D'ailleurs, c'est ce rapport avec le fait religieux.
lui donne un aspect qui dépasse la matière. On a vu que le dogman, il y avait toujours des notions de religion derrière, sur les cibles qu'il visait. On peut rapprocher ça de quelque chose d'un peu diabolique. Pourquoi Exactement, pas. Tout à fait. Ça qui m'envoie la piste paranormale. Peut-être qu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un démon pourrait très bien se matérialiser sous la forme d'un dogman. Je veux dire, ça serait cohérent quelque part. Je sais pas. Donc, alors, j'irai même plus loin, juste dernière parenthèse, c'est que certains attribuent tous les phénomènes paranormaux à une manifestation diabolique, que ce soit extraterrestre, Bigfoot, dogman, et j'en passe. Tout à là, fait. C'est une vision, pas extrême, mais une vision très... Non, mais moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui avancent cette théorie, parce que j'en parle dans ma conférence que je fais en public en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent dans des lieux qui comportent le mot « diable » dans le nom. C'est une affaire dont je parle dans la conférence, là. Un gars qui a disparu dans un endroit, c'était la porte du diable, voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on a donné ces noms à ces lieux, je ne sais pas, moi. On avait évoqué ça lors de notre dernière émission aussi. Aussi, oui. Au sud de la France. J'en reparlerai encore. Hein. Mais, alors, je vais quand même avancer une piste intéressante très très vite, hein, parce que c'est la piste du skinwalker. C'est intéressante aussi. Hein. Une théorie qui est pour le coup complètement paranormale. Le skinwalker, voilà, c'est une légende, croyance, qu'on retrouve chez les Indiens Navajos, et Hopi aux États-Unis. Le skinwalker, c'est un sorcier indien qui pratique la magie noire et qui aurait la capacité de se transformer en animal, notamment en loup. En gros, c'est la version amérindienne du loup-garou. C'est un changeur de forme, voilà, qui a des pouvoirs surnaturels, très agile, invincible, capable de lire dans l'esprit des humains, de manipuler l'esprit des humains aussi. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un peu comme le djinn aussi, tu sais. J'étudie ça un peu aussi, le djinn, cette entité. Qui a une capacité de manipuler l'esprit des hommes. Ça, on le retrouve dans le Coran. Et qui est capable de créer des hallucinations dans son esprit, finalement. Ce qui renvoie à tout à l'heure, ce dont on parlait, les hallucinations. Là, le skinwalker, il est clairement maléfique. Son passe-temps favori, c'est de terrifier les humains. Il adore ça. C'est son dada, en fait. Et ça ressemble beaucoup au comportement du dogman. Le dogman adore faire peur. Il adore faire peur. On voit souvent, dans l'émission, j'explique ça, hein, on a déjà vu des dogman, justement dans des cabanes dans les bois, comme ça, en train d'observer par les fenêtres, à l'intérieur des maisons. Parce que, contrairement au Bigfoot, le dogman, lui, il n'a pas peur du contact. Il s'approche des lieux d'habitation. Et j'ai retrouvé dans une description du skinwalker, un exemple, le skinwalker aime ça aussi. Tu vois, se poster... près des maisons d'habitation, dans les cabanes, dans les bois, ils regardent dans les maisons. Et ça, c'est carrément... c'est un de mes cauchemars d'enfance, voilà. Je reparle, c'est maman. Il n'y a pas de divan, là, mais tu vois, je... Allongez-vous, monsieur Camille. Voilà. Il m'a marqué, celui-là. Voilà. Donc, quand on repense aux circonstances de la disparition de Cullen, de ses dernières paroles, ça pourrait coller? Je ne sais pas. Voilà, pour en terminer, donc moi je pense que vu le passif historique de la région du Michigan, avec ses multiples observations de créatures étranges depuis la fin du 19e siècle, vu les circonstances inexpliquées de la disparition de Cullen, vu la cause de sa mort qui reste inconnue, après deux autopsies, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi je vous prends au nom de quoi, on écarterait la piste paranormale. Je veux dire, en tout cas moi je garde l'esprit ouvert, ça reste très très intriguant pour moi. Moi je ne l'écarte pas, voilà. On va passer à la conclusion, si tu veux bien. Juste quelques remarques d'internautes. Alors effectivement, sur l'hypothèse Bigfoot Dogman, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'il n'y avait pas de traces sur le corps qui expliquerait la mort de Cullen par une attaque d'une entité comme celle que tu as présentée. Mais tu as bien expliqué qu'on a peut-être affaire aussi à des entités qui dépassent le cadre matériel qu'on connaît, et donc qui peuvent provoquer la mort de manière non répertoriée par la science. Il y a Tomutom aussi qui lui insistait sur ce déplacement très rapide et qui évoque la piste extraterrestre, la piste OVNI, pour expliquer ce déplacement, cette captation du téléphone à presque à quatre endroits en même temps et à des distances assez éloignées qui ne sont pas possibles humainement.
Donc peut-être la piste OVNI, mais on est toujours dans ce cas-là, c'est-à-dire que quelque chose de surnaturel qui permet de donner la mort sans que nous puissions la référencer. Tout à fait. Parce que les hommes sont déjà peu capables de faire ça, tu sais. Les agences de renseignement des grandes nations travaillent aussi sur des moyens pour tuer de façon indétectable des poisons, tu sais, pour masquer les causes de la mort. Donc, on est presque capable, nous, les humains, de faire ça. Donc, et la piste extraterrestre, j'en avais parlé dans l'émission sur le dogman, effectivement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le dogman. Il peut y avoir n'importe quoi. Le dogman ne pourrait être qu'une projection mentale dans l'esprit des humains. Parce que tu sais bien que ce sont les mémoires écrans aussi, enfin, supposées. Oui, c'est une caractéristique du phénomène OVNI. Certains, sous hypnose, pensaient avoir vu un cerf et sous hypnose se rendent compte que ce n'était qu'une mémoire écran, exemple parmi d'autres. Peuvent prendre l'apparence qu'ils pourraient prendre l'apparence qu'ils veulent. Voilà. Donc tout est possible. Dernière remarque avant que tu ne closes cette émission, Lionel. Mick qui nous signalait une émission d'Elisabeth de Caligny sur le triangle de la Burle, donc en France, et qui avait mentionné d'autres triangles. Et il s'avère que dans le Michigan, apparemment, il y aura un triangle type triangle des Bermudes, triangle de la Burle. En d'autres termes, un hotspot, une sorte de vortex pour des phénomènes et des entités inexpliquées. J'en ai parlé dans une émission. C'est le Le triangle de Bennington. Great Lake Triangle. Non, le triangle des grands lacs. Voilà, c'est ça, Lac Michigan. Et parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de disparitions de bateaux aussi, notamment dans cette zone. Et il y a plus d'ailleurs, il y a plus de disparitions dans cette zone que dans le triangle des Bermudes, parce que c'est beaucoup plus petit en fait. Et j'en avais parlé dans l'émission d'ailleurs. Et certains pensent qu'effectivement il y a un vortex là, parce qu'il y a des lignes qui se croiseraient, les lignes de les lines, ils se croiseraient, ça crée un vortex, possiblement un passage vers un autre monde. Voilà. Les fameux hotspots. Ouais. On va revenir sur notre Cullen Finnerty, Ouais. notre triste personnage protagoniste de ce soir, voir ce que sont devenus ses proches. Là, je vais conclure. Ma conclusion va être assez courte, pour une fois. Donc, c'est un dossier assez révoltant. C'est vrai que Cullen, personne ne mérite de mourir de cette façon, mais encore moins Cullen. C'est vrai qu'il a eu une fin à l'opposé de la façon dont il a vécu. Ça a bien entendu été une épreuve terrible pour sa femme, ses enfants. Mais son père, Tim Fenerty, a été très marqué par la perte de son fils. Et c'est ça, c'est que il l'a dit, bien entendu. C'est que le plus dur pour lui, c'est qu'il ne saura probablement jamais ce qui est arrivé à Cullen. C'est ça le plus dur. Et pour compenser, il est devenu entraîneur de football américain. Une façon de remonter la pente en aidant des jeunes sportifs. Donc, aussi, on est dans l'actualité parce que tu vois, il y a quelques mois, Cullen Finnerty, on lui a rendu hommage en septembre dernier. Il a été honoré au temple de la renommée des sports du Michigan. Mais en plus d'être un grand champion, ce gars était vraiment exceptionnel parce qu'il est excellent dans son sport. C'était un leader, il était protecteur avec les autres, il était simple, humain. Bon, certains vont peut-être penser que Cullen était un bourrin, tu vois, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il faisait un sport violent, il aimait les films de Rambo. Mais bon, il faut dépasser les préjugés, il faut dépasser ses préjugés, parce que après sa mort, les proches de Cullen, ils ont appris qu'en fait, il avait fait des dons à un orphelinat, sans rien dire à personne. Il s'était jamais vanté de ça, et c'est tout à son honneur. Voilà. Il avait aussi donné de l'argent à un ami qui était malade du cancer. Donc ce gars avait vraiment du cœur. Hein. C'est un exemple. Hein. C'était l'idole de beaucoup de monde dans le coin, et même de son entraîneur Chuck Martin l'a avoué que c'était son idole aussi. On va voir maintenant une des dernières photos prises par Cullen quelques jours avant sa mort. Moi, je trouve qu'elle reflète assez bien sa personnalité. Tu sais, le côté, la force tranquille, tu sais, assez posée. La sérénité, il est l'air serein là-dessus. Hein. Je veux dire, encore une fois, ça ne ressemble pas à un gars qui est sur le point de disjoncter, quoi. C'est ce qui m'incite à penser qu'il s'est quand même passé un événement imprévu, inhabituel, le soir de sa disparition, au bord de cette rivière. Dans l'actualité aussi, on a reparlé aussi de cette affaire il y a quelques mois, parce que la femme de Cullen, Jennifer, elle a porté plainte contre l'association sportive américaine, tu sais, qui organise les programmes sportifs des grandes écoles, la NCAA, parce que, avec d'autres femmes de sportifs qui sont mortes prématurément, voilà, parce que c'est vrai que le sport a eu indéniablement un rôle
dans sa mort prématurée. C'est vrai que, en tout cas, il avait cette maladie du cerveau qui a possiblement joué dans sa mort. Donc, moi, je vais en profiter pour faire un peu de prévention d'ailleurs. Si jamais des spectateurs ou des spectatrices, si jamais certains d'entre vous pratiquaient personnellement un sport de combat, la boxe, le MMA, ou même assez violent, type karaté, type rugby, même hockey sur glace, hein, pas mal de sports. Hein. Sport de contact. N'importe quel sport, faites gaffe à vous, parce que c'est vrai que les coups violents à la tête, c'est pas bon. Faut éviter. Faut essayer. Ailleurs, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez taper ailleurs, mais non, je plaisante. Cassez-vous les tibias, mais épargnez l'encéphale. On a tous des passions, c'est sûr. On se donne à fond dans ses passions, sans s'économiser. J'en sais quelque chose. Mais il faut quand même faire gaffe. Il faut prendre un minimum soin de soi, parce que c'est dommage de partir aussi vite que Cullen, je trouve. Alors, faites gaffe à vous. Voilà. Il fallait le dire. Voilà, j'ai terminé avec ce dossier. Merci beaucoup, Lionel, pour ce nouveau dossier, encore une fois, passionnant. Avant qu'on mette fin à l'émission, je voulais juste partager deux, trois petites choses avec vous, les amis. On a parlé ce soir du Dogman. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'émission, je vous fais un petit partage d'écran, c'est très facile. Vous allez sur le site, donc vous y êtes certainement en ce moment, pour une grande majorité d'entre vous, sur le site www.nurea.tv. Dans le petit moteur de recherche là en haut, hop, la petite croix, vous tapez Dogman et vous êtes arrivé sur cette page. Alors vous verrez, il y a les deux émissions enregistrées avec Lionel, donc la partie 1 et la partie 2. Et vous avez même un témoignage d'un Nuréen qui nous avait partagé une expérience vécue en lien avec une observation de Dogman, donc pour approfondir le sujet. En tout cas, je vous invite vivement à aller jeter un œil à ces deux émissions sur le Dogman. Elles sont en accès libre, en replay sur le site, donc n'hésitez pas, vraiment, vous passerez 4 heures pendues aux lèvres de notre invité du soir. Donc ça, c'était pour l'émission Dogman. Ensuite, je voulais aussi revenir sur une chose, donc l'histoire que nous a partagé Lionel ce soir est extrait de ce livre, Disparu dans la nature, qui est son premier ouvrage de cette série Disparu. Je me permets tout de même de rappeler que pour l'instant, cette série, elle compte 3 ouvrages, et là aussi, je vous invite à les lire et à vous les procurer si vous en avez la possibilité. Le premier, c'est Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses aux USA. Le second, tout aussi passionnant, Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses à travers le monde. Et le petit dernier, Disparu en ville, 20 histoires vraies et mystérieuses. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux déjà à les avoir lus, ces livres, et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, jetez-vous dessus, c'est vraiment un régal à lire. Donc je vous y invite grandement. Je vais vous présenter un petit copain là, c'est Mowgli. Voilà. Salut Mowgli. Il était en train d'escalader tout à l'heure, j'ai gardé mon sérieux, mais j'étais obligé d'intervenir en catastrophe parce que... Il est en train d'escalader sur la table. Voilà. C'est pas un Dogman. Ou c'est un futur Dogman, ça. C'est une graine de Dogman. Il y a un petit air de Dogman quand même, un peu. Hein, ouais. Dans les yeux. Voilà. Non, il est gentil. On dirait une panthère. Voilà. Allez. Lionel, dernière petite chose, et après on va libérer les Nuréens. Tu fais aussi depuis quelques mois des conférences à travers la France, même un peu plus loin, puisque tu étais en Belgique assez récemment. Pour présenter tes travaux et tes livres. Il y a une conférence le 19 janvier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, le samedi 19 janvier, donc dans 15 jours, je fais une conférence à Paris. Voilà. Donc, si des Parisiens, des Parisiennes, des spectateurs d'Île-de-France veulent venir, c'est possible. Voilà. Ça va se passer donc le samedi soir dans un restaurant du 11e arrondissement, c'est pas loin du cimetière du Père Lachaise, du cimetière, tu vois. Vous voyez pas de connotation sinistre, hein. Ça risque rien, mais bon. Voilà. Vous pouvez arriver à partir de 18h30, on pourra discuter ensemble avant. En fait, le principe, c'est ça, c'est qu'on fait un petit repas convivial, et c'est un repas ufologique, en fait. Et ensuite, après, je fais la conférence. Donc, c'est comme ici, sauf que je vous raconte des affaires, 4 affaires en live, et puis il y a une interaction, quoi. Donc, c'est vraiment, vous pouvez poser des questions. C'est vraiment une expérience fabuleuse, j'adore ça. Et ça sera l'occasion de se voir dans le monde réel, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il y a toutes les informations sur mon site internet, ma page Facebook, voilà. Donc, est-ce que je peux faire passer un autre message? Ah, mais Guillaume, je t'en prie. J'ai commencé à travailler sur mon prochain livre, je vais m'y remettre, sérieusement.
Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs conférences déjà un peu en France et puis à Bruxelles. Et parfois on me demande quand est-ce que vous venez dans ma région, dans le sud, dans le centre, etc. Je ne demande que ça. Hein. Je veux dire, si vous connaissez un lieu, une structure près de chez vous, une association, une structure qui organise des conférences, vous allez leur parler de moi, je ne sais pas. S'ils sont intéressés pour m'accueillir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je veux dire, c'est très facile. Et on verra alors si on peut organiser quelque chose. Mais bon, je pense que tout est possible. Voilà. Donc, essayez de trouver des lieux en province. N'hésitez pas. Moi, je vais essayer de quand même me reconcentrer un peu sur mon travail d'enquête, d'écriture. Mais si on m'invite, si on prend contact avec moi, je viendrai avec grand, grand plaisir. Donc, merci à vous. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui me soutiennent déjà. C'est très appréciable pour un auteur indépendant comme moi. Donc, continuez, si vous pouvez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter mes livres. Bon. C'est mieux, mais faites connaître mon travail autour de vous déjà. Ça coûte 0 centime et ça m'aide. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous faire un petit plaisir, les amis, et commander pour commencer un petit livre de Lionel Camille. Vous verrez, vous ne le regretterez pas vraiment. Moi, j'ai les trois, je les adore. Donc, je vous rappelle quand même, le 19 janvier, Lionel Camille, Europa Ufologique de Paris. C'est l'occasion aussi de saluer toute l'équipe d'Europa UFO de Paris. Grand coucou à vous et de saluer également tous les passionnés d'UFO à travers la France qui œuvrent pour les repas ufologiques dans pas mal de villes en France. Et je pense que tu auras l'occasion d'en croiser certains dans les mois à venir. Donc un grand coucou à tous les passionnés et bénévoles des repas ufologiques. Eux aussi font un excellent boulot et c'est bien de le signaler de temps à autre. Notamment à Tours, à Nantes, où j'ai eu l'occasion d'aller déjà. Vraiment des équipes super. Voilà. Ouais. Donc voilà, bah écoute, Lionel, merci beaucoup. Quelques commentaires avant de se quitter. Béa qui nous dit « C'était top, Lionel, comme d'habitude, merci ». Il y a Valérie qui nous dit « Trop beau, Mowgli », donc tu passeras le message au bébé Dogman. C'est pas le plus beau, hein. Il y en a un autre, là. Et Valérie qui dit « Excellente émission, comme d'habitude, grand merci, Lionel Camille et Guillaume ». Et Joby qui nous dit « Oui, moi, ils arrivent la semaine prochaine, trop hâte ». Donc, je crois que Joe, elle a commandé tes livres. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Merci à elle. Facteur. Merci. Et puis, allez, dernier commentaire. Hélène qui nous dit « Quelle rentrée, les amis. Merci, Guillaume et Lionel. C'était passionnant ». Et Laurent qui nous dit « Vraiment passionnant. Merci, Lionel, pour cette rentrée nuréenne excellente. Ça passe trop vite ». Donc, comme Marine sur le fil de commentaires, un grand merci, Lionel, pour nous avoir consacré tout ce temps-là, ce soir-là à nouveau. Et puis, j'espère qu'on te reverra prochainement, dans les mois à venir, parce que c'est long à préparer ces émissions, mine de rien, et puis qu'il y a des livres à écrire en parallèle. Mais en tout cas, on espère te revoir bientôt sur notre antenne. Avec grand plaisir. Les Nuréens, bah écoutez, vous aussi, merci d'avoir été présents ce soir. Vous étiez en nombre pour cette première rentrée sur les directs Nuréa TV. Dans les semaines à venir, il y a des choses qui vont s'améliorer sur le site. Vous allez pouvoir vous en rendre compte assez rapidement. En tout cas, sachez qu'on fait tout pour améliorer encore ce média qui, nous l'espérons, est aussi le vôtre. Et en tout cas, on vous remercie infiniment. Et j'en profite pour remercier, mais vraiment du fond du cœur, vous n'êtes pas les plus nombreux, mais une partie des Nuréens qui nous apporte un soutien financier. Sachez que sans vous, il n'y aurait pas de Nuréa TV, on ne pourrait pas améliorer les choses, on ne pourrait pas améliorer le site, acheter du matériel, et puis encore une fois, y consacrer l'essentiel de notre temps. Donc à tous les Nuréens solidaires, ceux qui passent par PayPal ou par Tipeee pour faire avancer Nuréa TV, merci du fond du cœur les amis, vraiment ça nous touche beaucoup. Parce qu'encore une fois, nos émissions sont en accès libre et gratuit, donc tout le monde peut y accéder et n'est pas obligé de donner. Si vous faites un effort dans ce sens-là, c'est que vraiment notre travail vous convient, vous plaît et que vous vous retrouvez dans ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qui nous touche le plus. Donc un grand, grand merci à tous les Nuréens solidaires. Les Nuréens, prenez soin de vous. N'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et comme de coutume avec Lionel, on va se quitter sur l'image du protagoniste de ce soir, parce qu'encore une fois, derrière ces histoires de disparition, il y a des familles, des personnes, et des personnes qui nous ont quittés, parfois trop tôt. Donc, un petit hommage à Cullen Finnerty. À très bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao.